Otage trouvé. Carré. J'ai les flics au cul, j'ai les flics au cul. J'ai les flics au cul, je répète, j'ai les flics au cul. T'es où? T'es où? Blood. Quartier Blood. Blood. J'arrive. Ok, vos mères maintenant. Quartier Blood. Ah super, super. Ça commence très bien. Bon. Bonsoir. bon. On va mettre la bonne scène. Ah bah où t'as bougé un peu. Le bordel. Tour du quartier Blood. Ok, ok, bah j'y vais, je suis sur la route. J'arrive. Moi aussi. Bon. Eh ben, comme vous l'avez vu, on est en RP, hein, avec mon personnage Sekusaitou. On dirait qu'ils m'ont lâché. Je vais avec toi. On est censé braquer une bijouterie ce soir. Et l'otage, on est d'accord. Logiquement, bah, c'était à 23h. Tu m'as dit que tu te faisais courser. Je sais pas ce qui se passe actuellement, donc. Ok, c'est bon, je vais aller à l'unicorn. Bon. Il faut qu'on les rejoigne à l'hôpital à l'unicorn. Bon. Ça commence bien, hein. Bon, super. Je vais retrouver. Bonsoir à vous en tout cas. Mais c'est quoi le truc? Waouh. Ça promet la soirée. Oh merde. Tac. Pensez aller à la supérette. Et vous achetez à manger. Moi, j'y vais là. J'ai un stock là de bouffe. Ah merde, c'est bloqué ici. Moi je dis ça commence ultra bien en tout cas. Au top hein, le braquage. Oh, qu'est-ce que c'est? Pa. Merci pour ton polo. C'est une honte là. Qu'est-ce que tu fais là? Salut. Et si tu m'analyses maintenant, c'est le cas. Ça commence hyper bien quoi. C'est un premier. Ouais, c'est clair. Bon. Bonsoir, je suis au Unicorn. Ok. Vous allez où les deux motos là? Je vous ai vu. Ok. C'est lui non? Mais j'ai pas. Oh, j'ai pas. Je vais ouvrir le consus. J'y suis aussi. Salut. Oh, c'est moi. C'est quoi toi? C'est toi quoi? Qui? C'est lui ou pas la Koba non? Bonsoir, qui êtes-vous? J'ai mon usine, c'est bon, j'arrive. Moi, je vais me faire engueuler. Je vais pas fermer ma moto. Salut. Ah, je crois qu'on m'entend pas en jeu. Salut. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah, merci. Ça on m'entend en jeu. Ça va et toi? J'ai pas une tenue comme toi. Je pense que c'est taille. C'est vrai, mais mon rôle me permet d'avoir cette tenue ou quoi? J'étais pas du tout foutu avec Koba, t'es où? Du conseil. Cherche un otage aussi. Ça commence maintenant en fait le 20. C'est pas devant quoi? Il avait dit 23h. Bon. Ah, c'est pas devant quoi? Déjà. Bon, viens avec moi. Oui. Comment? Merde. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Oh, ouais, ça va. Vas-y, je reviens, je vais m'habiller comme allez, toi. Vas-y. Yes. Je peux pas fermer la clé, c'est pas à moi, on m'a piqué ma moto. Putain, ça me casse les couilles. Ah ouais, c'est vrai. Bah, fait, tu as une tenue un peu comme la mienne. Bah, t'es pas obligé de prendre manche courte. Moi, j'ai pris manche courte, mais j'aime mieux. D'accord, très bien. On sent mieux comme ça, le niveau de rampe, tu vois. Ouais, c'est clair. Sans Chanel, ouais, les c'est gars, super. Quelqu'un a quitté ma moto et fume, j'ai rien fait avec. Non, c'est ma... Déjà, d'une, c'est ma moto que tu as. Non, c'est la mienne.
Alors tu m'expliques comment ça fait que moto, tension, j'ai qu'une moto, je peux fermer à clé, moi, en fait. Toi, je peux la fermer à clé. Qu'est-ce que je fais? Ouvrir, fermer ma bébé. Bah écoute, c'est bon. Bref, elle est toute blanche, donc tu vois. C'est quoi la tenue de militaire qui demande? C'est ça, non? Moi, je prends ça, là, le... C'est du vert, hein, c'est ça? Ouais, tant que c'est du vert... D'accord. On voit qu'il y a une bijouterie en tenue d'armée, mais bon... ce sont les ordres, hein, on n'y peut rien. Il se trouve le bon pantalon. Je crois que c'est ça. Non, c'est trop fin. C'est bizarre, il n'y a aucune moto qui est... Ah bah, je sais qui c'est. Ok, c'est bon. Hop. Ça prend pas du vert. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la weed à la coco. Si des gens n'ont pas payé, comme ça, je les prends en otage. Bah, je prends ça. Et taille, puis, j'essaie de prendre un keuf en otage. Non, c'est dangereux, fais pas ça. Laisse tomber les keufs. Ça, c'est vert, c'est bon, on prend. Et on prend des en masse ce soir, donc fais pas ça. Non. Ça, c'est bon, là. Ok, vas-y, on achète, là. Oui. Oui. Moi je cherche un camion tacos, quelque chose comme ça. Cage. Biou, voilà, super, parfait. C'est exactement ce que je voulais te faire. Du coup, on va à l'unicorne. Oh, mais au niveau de l'hôpital sud, en bas, il y a quelqu'un qui vient de passer à fond, j'ai pas pu le rattraper. Hein. Donc il va sortir au niveau de l'autoroute. Hein. Ça hôpital de en bas l'autoroute. C'était moi non, c'était une moto. Elle est à fond. Avoir des infos concises, précises et pas inutiles, vous êtes en train d'embrouiller bah, le c'est chat. Ça oui. Merci beaucoup tout le monde. Je ferai pas tout le long de l'opération. Du coup, on va parler radio. Hein. Salut, ça va? Ça va, toi? Super. Dis-moi, t'as un kit? Un quoi? Un kit de réparation. Non, j'ai pas ça. Non. Putain, ça va être la merde, ma moto, elle fume. Bah, passe, retourne chez nous, genre à la ferme, pour aller en prendre un. Je vais jamais y arriver à réussir avec la ferme ici. D'ici là. Bah, t'as peut-être le temps. Hein. Attends, je vais voir s'il y a pas un mécan. D'accord. Mais vas-y, pas dans cette tenue, hein. On a dit qu'on devait aller... Attends, t'inquiète. Ouais. Je vais prendre une autre tenue. Ok. Mais je m'inquiète, hein, justement, je m'inquiète. Oh putain, les flics, ils viennent de passer devant moi. Ouais, pourquoi je m'inquiète? Les flics, ils ont l'air d'être chauds, là, quand même, ce soir, non? Ouais, ça... Oh, mon avis, on va... ça va être la merde, là, le braquage du bijouterie. Surtout que y a vendredi dernier, on a fait le braquage de banque, la grosse banque là. Et ça s'est bien passé, ça s'est très très bien passé. Mais à mon avis, je sens que là ce soir, bijouterie qui est plus petit qu'une banque, ça va être la grosse merde. Bon, moi j'ai un rôle de, c'est quoi mon rôle moi déjà? Modérateur, un truc comme ça, je sais plus. Je sais même pas ce que je dois faire. J'ai l'otage. Le braquage des banques, je savais pas non plus ce que je devais faire, mais ça s'est bien passé quand même. J'ai été payé hein, quand même hein, pour avoir rien fait, hein, mais c'est pas mal, moi je trouve. Mais il y a des tensions là, dans le groupe là, en FP. À mon avis, on va tous finir en prison. Mais c'est pas grave, ça va être marrant. On peut pas gagner à chaque fois, parce que l'autre fois, les flics ils ont perdu, la fois qu'ils gagnent, qu'on y allait en prison. Moi, j'ai jamais eu d'interaction avec les flics, j'aimerais bien voir ce qu'ils font comme RP, voir si c'est mieux que le VMS. Je vous emmène l'otage.
Unicorn. Non, 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 tu peux aller en des autres. Dis donc, on est où là? Les MS sont très bien, pas de soucis. Bon, j'ai mis ça la musique, ça c'est trop fort dans mes oreilles. Image free, c'est normal, je suis plus dans le jeu. Alors. On va baisser. Voilà. Mieux. Paf. Très bien. Est-ce que j'ai mon masque avec cette tenue là? Parce que... Ah oui. Ok, super. Ok. 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 On va rester comme ça. Est-ce que j'ai de la nourriture? J'ai de l'eau. C'est bon, il est là-bas. Je manque pas ses potes. Ah merde! On va peut-être le jeter ça quand même, non? Je peux pas le jeter. Oh merde! Descends! Oh merde! C'est qui ça? Bien le bonjour. C'est... Ouais. Qui est cette personne là? C'est un avocat. Je l'ai braqué. Ah bah du coup vous êtes un otage, vous êtes pas un avocat. Ouais, c'est un otage. Bon bah lève les mains alors, qu'est-ce que tu fais? Bah lève les mains, je te dis lève les mains. Et ben voilà, c'est parfait ça. Très bien, petit souci de... Super. Non, moi non plus, je trouve pas. Il y a plus de fil, on dirait d'un coup. Contre le mur. Et accroupi. Ouais, voilà. Je suis en confinement. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Monsieur Warren Baliban. Je vous envoie ma carte ou... Non, je vous demande juste votre nom. D'accord, ça marche, pas de souci. Très bien. Vous savez ce que vous allez faire ce soir? Je sais pas, mais bon, j'ai une brève idée. C'est-à-dire? Je pense que je vais devoir vous suivre sur des lieux de braquage ou des choses comme ça. Je dirais au pif comme ça. De braquage? Je suis en solo, genre, tu vois. Bon. Braquage de banque, c'est ça que vous dites? Oh, je sais pas, moi, je me pose des questions. D'accord, d'accord. Bon. Et du coup, vous appelez comment? Comment on peut vous appeler? Tu m'appelles monsieur. Il y a quoi, Calvin? J'ai percuté avec lui. Mais du coup, je peux quand même venir te voir si jamais j'ai un souci avec la police. Ou t'es avocat. Ça après. De toute façon, tu sais pas qui je suis. Je sais pas qui t'es, mais le monde est petit, comme on dit, avec les montagnes qui se croisent pas. Donc... Bah, le monde est petit, on est quand même plus d'un milliard d'habitants sur cette petite île, donc. Oui. On est 45 millions, donc je pense pas que tu vas vraiment le reconnaître. Oui, je pense pas. Oh si si si, hein, aux Amériques, si, il y en a beaucoup. Family gang. À mon avis, t'es pas là pour un braquage ni pour manger des brioches, mon petit gars. Mais si t'as quelque chose à dire, tu le dis maintenant en fait, parce que c'est pour toi qu'on est là. Ah, c'est pour moi? Ah bah oui, je crois quoi? Ah d'accord. Alors vas-y, t'as pas quelque chose à nous dire? Là... Votre collègue il a fait un malaise. Très bien, t'occupe pas de mon collègue, t'as pas des yeux derrière la tête. Il est pour ma tête, hein, il est pas non plus. Bon, alors vas-y, débat ce que t'as à nous dire. Ce que je dois vous dire. Ouais, par rapport à la drogue et tout ça. Alors là, les gars, éclairez-moi parce que vraiment. C'est pas genre, tu sais pas de quoi on parle. On sait très bien ce que tu fais là en dehors de ton travail. En dehors de mon travail? J'achète des voitures. Ouais, ouais. Je fais le tour des entreprises pour présenter mon cabinet. Mmh. Après, je pense qu'il y a peut-être erreur sur la personne là, parce que là, vraiment, je vois pas. Mmh. Et genre, t'aurais pas rencontré quelqu'un par hasard qui t'aurait proposé des trucs un peu illégaux? Alors là, pas du tout. Alors là, je pense t'es sûr de toi là? Et t'es sûr de toi, mec? T'es sûr? Bien. Que... L'otage a été ramené, c'est bon? Ouais, oh, ouais, on est en train d'interroger. Chez les bûcherons, bon, très bien. Maintenant, tu fermes ta gueule et tu vas écouter les règles suivantes. Alors, vas-y, je t'écoute. Tu ne parles pas,
à condition qu'on te le demande. D'accord? Tu ne poses aucune question, tu ne réponds pas, tu ne fais aucune demande sauf si tu as faim ou tu as envie de boire. Oui, ou entre autres, envie d'aller aux toilettes. Mais ça, tu pisseras dessus, c'est pas grave. T'as compris les règles? J'ai compris. Elles sont assez simples. Si tu ne les respectes pas, tu risques de repartir avec des membres en moins. Et les règles commencent dès maintenant. Voilà. Donc on ne va pas te tuer, on va juste te faire souffrir, parce qu'on a besoin de toi en vie. Mais la souffrance fait plus mal que la mort, on est d'accord? Oui, c'est sûr, oui, mais... Très bien. Juste expliquez-moi. Maintenant, tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule, pas de question. Tu te coupes la langue. D'accord, c'est clair? Maintenant, j'ai ma lame qui est sortie, là. Voilà, pas de questions. Si tu fermes pas ta gueule, je te coupe la langue, c'est clair? Parfait. Voilà, je crois qu'il a compris. Oui, je pense qu'il a compris. Je vais rester quand même près de lui, hein. Oh. On peut plus loin. Oh mon dieu, quoi. Mon personnage est calme ce soir, c'est impressionnant. D'habitude, il est plus sanguin, plus froid, il a l'air d'être plutôt calme là, c'est. Ça cache quelque chose. Ah oui, dernière chose, si tu as besoin de prendre la parole, tu demandes maître, d'accord? Maître, plus prendre la parole. Tu demandes aucun autre nom. On est d'accord? On est d'accord. Très bien, maître, ça nous concerne tous. Parfait. Bon, on pose des bases. De toute façon, je suis pas très confiant, donc bon, autant qu'on s'amuse un peu avant, quoi, je sais pas. Ah là là. Bah au moins, lui aussi, ça lui fait de l'interaction, c'est sympa de tous l'attendre, là. Ça bouge, c'est bon, on parle un peu, on papote, on pose des bails, c'est marrant. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'otage. Non, quoi. Monsieur l'otage. Comment ça va, monsieur l'otage? On est mieux. Bon, oui. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Nous, on va démarrer, les gars. Donc, ils montent dans ma voiture, let's go. Ah, c'est là où je dois faire quelque chose et je ne sais pas du tout ce que je dois faire. Tu veux t'enfuir? Ouais, là, c'est la mine. Est-ce que tu veux t'enfuir? J'ai monté l'otage dans ma voiture. Ok, très bien, vas-y, lève-toi et monte dans la voiture noire, s'il te plaît. Vas-y. Allez, monte. Ah oui. Mais... Voilà. T'attaches ta ceinture. Hein. On va d'abord aller au lieu où on pose les motos. D'accord? Pour les autres. Quand on arrivera sur le lieu où on pose les motos. Trois partiront avec une voiture volée. Avec l'otage. C'est ma moto, ça. Chut, silence! Le premier qui... Là, c'est mon maintenant. Silence! C'est clair? Protégez-vous, là. Donc, trois personnes resteront sur place où il y a le moto. Deux sur les motos, trois sur les motos et une dans un camion. Ok? Le petit, tu t'occupes du camion, comme prévu. Ok, tu trouves un truc, même s'il faut, tu prends la Huntley que j'ai là, ok? Par la suite. Les trois braqueurs partent avec l'otage à la bijouterie. Et après, c'est top départ. Rien d'autre. Pourquoi il reste deux motos ici? Est-ce qu'il y a trois personnes dans ton véhicule? Ceux qui sont dans ma voiture. Allez chercher vos motos. Bah, ok. Oui, bah quoi? Il est braqué, il est attaché, il fera rien l'otage. Allez, go! Ceux qui connaissent le point de rendez-vous, allez-y en dispersé en point de rendez-vous pour ceux qui connaissent. Je sais pas du tout où c'est, j'étais pas là aux entraînements. Non, tu sais. Je le sais sous les yeux, donc je vais pouvoir trouver. En fait, je trouve pas. Ah si, je crois que c'est là. T'as une espèce d'hôtel là, et je crois que c'est ça, non? Ouais, je crois que c'est ça. Qui c'est qui me spam?
c'est. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on va les poser sur la mesure, parce qu'après, je pense qu'elle sait que... Je sais pas si je sais ou pas. Ah merde, c'est fermé. Bon, le chef, il est en colère, là, ce soir. Ouh là là. Il y a de la tension, il y a de la tension. Mais pourquoi c'est tout fermé? Ouais, ça commence super mal pour moi, bon. Au pire, je fais comme la dernière fois. Je reste distant, en retrait, et j'interviens en dernier recours. La dernière fois, je suis quand même mort une fois, en espérant que ça ne se reproduise pas. Mais je suis mort parce que ma voiture a plus d'essence, et vu qu'il n'y a pas souvent de PNJ proche, j'ai cherché une voiture, je me suis mis sur l'autoroute, sauf que la voiture n'a pas freiné, et du coup, bah, elle m'a tué. Mais c'était un PNJ. Mais il n'y a pas la rediff sur le braquage, du coup c'est dommage, mais on va essayer de reproduire un tunnel, c'est ça. À mon avis, ça va très très mal se passer, mais bon, on verra. Hein. Comme la dernière fois, on apprendra bien de nos erreurs. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mouche là, ça va pas du tout ça. Mais ils sont tous là. Au moment où j'arrive, tout le monde part, quoi. Ah ouais, merde. Kenny me dépose. C'est pas dans le bon sens. Je me fais engueuler. Je me fais pas engueuler. Je peux peut-être descendre par l'autre côté. Vu qu'il y a des escaliers, je crois que c'est par là qu'ils sont arrivés tout le monde. Mais j'étais pas là aux entraînements, moi. Je crois que c'était 22h30. Je crois que c'est là, c'est plus bas. Non, c'est là. Ouais, c'est là. Oh, pardon. Ça va? Mais ta moto derrière moi. Quoi? Ah, derrière. En gros, genre, toi, ce sera celle-là que tu prennes des constructs ici, ok? Faut que je prenne quoi? La celle que vous lootez là, elle sera garée là. Tu prendras celle-là, moi je prendrai celle-là, et ainsi de suite, tu vois. Ok, ok. Voilà. Moi je suis. Mets pas contre le mur, tu t'arrives à rien, s'il te plaît. Ah, d'accord. Non, mais je n'y parle pas, moi. Ah, mais c'est l'otage, ça y est, ils sont arrivés. Ouais, faut lui expliquer, il était pas là cet après-midi, du coup il met sa moto les unes à côté des autres, faut lui expliquer. Pas du tout, pas du tout. Bon, je vais être honnête avec toi, tu vas connaître toutes les choses avant que ça se passe. On va aller faire un braquage de bijouterie, d'accord? Bijouterie. Tu en es l'otage, tout simplement. Tout va très bien se passer. Tu sais, si tout se passe bien et que les flics sont pas contents, tu seras libéré directement dans la bijouterie pour les keufs en négociation qu'on puisse partir. Tu comprends? Jusque là, ouais. Jusque là, tout se passera bien. Donc pour toi, il va rien se passer. Si t'as faim, si t'as soif, on s'en occupe. D'accord? Ok, ça marche. Très bien. Bon, du coup là, on va emmener. Moi, je vais emmener la personne avec les deux autres braqueurs. Où sont les deux autres braqueurs? Là. Ok, donc on y va, on prend le gars, vous restez là. Pour vous, ça va être très long et très chiant, je le sais. Mais oh, okay. On prend la moto. Je sais bien. On y va, tu viens l'otage, on retourne dans la voiture. Rapproche ta moto, s'il te plaît. C'est vrai, ok. Mais du coup, c'est quoi le plan? Je vais me faire engueuler. Psst, psst. Après, on part au labo. Ah ouais, ok. Du coup, pas de plan de répétition, hein. On y va. Pas de problème. Ouais, on a tout dans la tête, de manière. Moi, j'ai rien dans la tête. Je sais que le main lab, c'est par là. C'est là, là. Ah, je suis désolé, j'étais pas présent, du coup, je sais pas trop ce que je dois faire, mais je suis quoi. Non, on attend, d'accord. Ils reviennent et on part tous à moto au labo. Okay. Par contre, les motos, attends, parce que. On va rapprocher.
me rapprocher un tout petit peu. C'est laquelle, la tienne? C'est la dernière. Celle-ci là? Ouais. Oh, c'est bien aligné et tout. Dans 5 kilos, là-bas qui est garé comme je sais pas quoi. Au gros qui vient d'arriver. M'attends pas. Ma moto, c'est la première. Je l'ai appelé le gros. Je sais même pas qui c'est. Est-ce que tu as des kits? Ouais. Non. Radio, dites-moi top quand non. Vous passez, hein. Parce que vas-y, tu. Je vois que. Mais la vie. Sur la lieu. Je te donne deux. Je vais aller vers le confessionnaire dans un premier temps et me diriger vers la biologie par la suite. Cani. Si on trouve un deuxième otage, on prendra au passage. T'as des kits? Toujours ça de plus. Je te donne deux. C'est bon. Merci. Je pense savoir. Je suis bien s'assurer que les véhicules soient tous fermés. Ouvert, pardon. Ouais, mais de toute façon, je sais même plus à qui et qui. C'est pas grave. Oui, mais je suis en train de bins. C'est exprès fermé, tu vois. Ah, bah oui, c'est ça, ça va être. Comme des cons, quoi. Je sais bien, ouais. Oh, radio, tout le monde a bien ouvert sa moto. Oh, ouais. On est sur les lieux. Ok. Très bien. Mais il devrait pas avoir autant de motos que ça, non? Si, normalement, il y a, je sais pas. Non, j'ai pas censé être là, moi. Que 3 personnes. Qui a récupéré? Ouais, mais faut 3... qu'on sorte des motos. Il faut qu'on compte combien qu'on est. Il y a 3 à la banque. 3, 6, 7. Combien de motos? Caché, 1, c'est bon. 2, je suis coordinateur. 3... Attends, pardon. En fait, je suis coordinateur du plan. Le seul souci, c'est que je connais pas le plan. Braquage lancé. Bonne chance à vous, hein. Bon braquage à vous, messieurs dames. Ouais, merci. Bon braquage à vous aussi. Attends, mais du coup, les personnes... Il y a des personnes, il faut monter... C'est bon. Tout le monde va monter dans une moto. Tout le monde va monter dans une moto? Ouais. Tout le monde part directement à la boue, après. Pour une extraction... Toutes les personnes qui sont ici, c'est les récupérateurs. C'est vrai, ils vont tous revenir ici après. Mais nous, on fait quoi en fait en tant que récupérateur? On garde juste les motos, c'est ça? On garde juste les motos, c'est tout. Ouais. Moi, je suis pas récupérateur. Tu sais, il y a pas grand chose à faire, mais bon. Je suis coordinateur. Excuse-moi. Non, ça mais je peux coordonner. Je sais qu'on a pas grand chose à faire. En étant présent avec les récupérateurs. C'est important quand même. Je crois, hein. Je connais même pas le plan de mon propre braquage. C'est pas le mien. J'ai surtout peur pour les autres, hein. Qui c'est qui est là? Est-ce que c'est possible? Je fasse à manger et à boire tous. Faut aller chercher à boire alors qu'on est en plein braquage. Pensez à proposer à l'otage s'il a faim ou s'il a soif, hein. C'est fait déjà, il m'a dit non merci. Ok. Je m'absente juste deux secondes si on va aller chercher à boire. Tout seul, je suis sûr, je reviens, on est tous morts. Il va monter avec quelqu'un. Demandez-lui qu'est-ce qu'il fait comme métier, s'il est patron, s'il est quelque chose. C'est un avocat, hein, mais allez voir s'il est patron. Merci. Attends, tiens. Il est patron cabinet. Moi j'ai plein de trucs. Parfait, c'est un notable. Nous avons un patron. On est pas mort ? Non, bah c'est bon là. J'ai peut-être un peu mauvaise langue. Bonne manière d'échange là. C'est pas grave. Ça me sert à rien, faut que je prends. J'ai pas de clic à l'extérieur. Il y a 8. On verra si. Il y a 7 motos, donc faudra qu'il y ait quelqu'un qui monte avec. Eh, je sais pas si vous voyez, mais à chaque fois les otages c'est des chauves. Je sais pas ce qu'on a avec les chauves, mais bon. Si c'est pour raconter de la merde, c'est pas la peine de parler. Le premier qui arrive ici, il faut qu'il. Y'a de la tension, hein. Le premier qui arrive, il faut que ce soit celui qui monte sur une des deux. Avec quelques 7 motos, il faut que ce soit celui qui monte. Putain, tout seul. Pas parler, ouais. Non, justement, le premier qui arrive, il faut que. Il y a le conducteur et le passager qui soient dedans. Ouais. Je sais pas comment on va se faire ça. En gros, le premier qui arrive, ce sera le. Tout le monde reste calme, tout va très bien. Tout va très bien se passer. Moi, je pense que la première moto, elle va galérer à partir parce qu'il va prendre.
prendre du temps à venir. Bah, justement, il faut que ce soit les deux qui... Non, on n'a pas fini. On est encore en train de finir. Hein. C'est pas trop en radio. Les faits qui vont arriver, non? Je les ai pas entendus. Et on est loin ou pas de la bijouterie en fait? Je pense que non. Je veux pas. Aurait dû se traîner. Petit, toujours au volant du camion, hein. Petit, toujours au volant du camion. Ouais, je bouge pas, t'inquiète, boy. C'est ça la bijouterie. Est-ce que prévenez-moi quand vous êtes là? Non. Ouais, il y en a un qu'il faut qu'il parte avec. Avec. Ah, c'est ça la bijouterie là. Putain, y'a tout ça comme d'écart. Ah ouais. Je vais t'expliquer le problème. En fait, la dernière moto, y'a quelqu'un qui va monter dedans et elle va foncer sur tout le monde. Bah non, c'est moi la dernière moto. Ah ok, ça va. Je sais pas pourquoi je foncerais sur tout le monde, je sais pas. Non, je savais pas, c'était toi. Ah d'accord. De toute façon, pour aller à l'endroit, il faut pas qu'on suive, il faut qu'on se disperse. Ah ok. On peut partir quand même à deux, au cas où quand même, deux par deux. Mais il faut pas qu'on soit toute une lignée pour partir au même endroit. Ça, il faut qu'on fasse des groupes. Il reste des bijoux au fond. J'ai besoin de quelqu'un qui remplit le sac là. Ah, remplissez les sacs, j'adore les bijoux. Je vais prendre le. Allez, je reste des bijoux au fond là. Go. Allez. Ah, mais clique pas. Allez, go là. Frappe dedans. Super, ça fait mal. On aura peut-être tout le temps d'aller chercher une moto en fait, mais. Bah, ça fait rien, mais. Ok. Ils sont pas là. Je suis mis en place. Je suis autour des bijoux de la reine. Je commence le perçage. Prévenez-moi s'il y a les flics qui arrivent. Je commence le perçage sur les bijoux de la reine. Mais les flics sont toujours pas là. Oh, j'entends des sirènes. Si c'est bon. Ouais, ça commence. Je crois que j'entends des sirènes. J'entends les sirènes pas loin de nous, les gars. Système d'alerte déclenché. Putain. Merde. Oh, c'est ok, je récupère le collier. Ok. Oh, vas-y. Je passe à la couronne. Vas-y, t'inquiète, je vais vérifier. Moi, j'ai envie de me faire arrêter là. Vas-y, là, j'ai envie qu'on prenne cher. Vas-y, là, on peut pas réussir tout le temps. On est pas les radios que pour des calls. Allez. Ouais, faut qu'on ait des interactions avec les flics là. Moi, j'en ai jamais eu. Allez, faut qu'il gagne, Putain, il est trop dur le coffre. Putain, et le coffre de la. Vas-y, galère. Prends ton temps, respire. Attends, j'y vais au pied de biche. Au pied de biche. Mais carrément. Wow, qu'est-ce que tu fais? C'est récupéré. La couronne, je m'occupe du diadème. Un homme vient tirer vers nous au niveau des motos. C'est l'un des nôtres, je précise, faut qu'on parte. Non, si vous bougez pas, négatif, vous bougez pas. Tirez dans la bijouterie. Videz un chargeur, attirez-les ailleurs. Go. Allez encore. Ça, vous avez des chargeurs sur vous, bande de pute. Allez. Balle moi, j'avais pas de balle dans mon chargeur. J'avais dit de prendre des chargeurs, putain, faut le présent pendant les répètes. J'en avais pris. Oh, mais les gars, parlez ensemble, là, vous êtes dans la bijouterie ensemble, c'est rien de parler radio pour ça. Mais dans le coffre, on avait plus que deux chargeurs. J'ai pris. Attends, j'ai d'autres chats à fouetter, je suis sur le diadème là. Ça me bat les couilles, pour l'instant. Allez. Putain, j'ai activé ma radio le temps. Putain, ils ont fait sacré crescendo au niveau des. Oh là là. Allez, solo, pauvre. Il est en train de galérer. Reste tranquille, prends une grande respiration. Pas un putain de flic. Quoi? Comment ça, pas un putain de flic? C'est une blague. On entend les sirènes. Ok, diadème récupéré, on va préparer l'extraction. Très bien, je sors l'otage. Sors pas l'otage pour l'instant, on va préparer l'extraction, je vais jeter un œil dehors. Faut qu'on fasse des groupes. Faites attention à vous les gars, on se retrouve tous à l'endroit. Ok, les flics arrivent sur place. Ok, calme, tout va bien. Ça y est, ils arrivent. Tout va bien, les flics sont sur place. Tout le monde reste calme. Allez, on souffle. Je m'occupe de tout. Moi, je pars avec lui. Je pars avec qui? Avec lui. Ok. Vous prenez la gauche ou la droite? J'ai pas réfléchi encore à ça. Y'a quoi en face? Y'a quoi en face? En face, tu continues tout droit, tu tournes à gauche et il y a des escaliers. On fait quoi? On tourne à droite? Attends, je vais juste voir si. T'inquiète, tu me suivras, on passera par les ruelles. D'accord.
Moi, je sais même pas où je vais passer. Pas oui, c'est ça, c'est ça. Gauche, hein. Exactement. Pour le moment, j'ai plutôt peur pour eux que pour nous. C'est clair. C'est tendu, hein. Que s'approche pour négocier. Mais si j'ai toujours la tâche. Ok, vous deux, vous allez monter. Enfin, vous allez partir à la droite et vous retournez à droite, ok? Bon, t'inquiète pas, on va se débrouiller. Faites droite-droite. On va se débrouiller, t'inquiète. Ok, mais partez pas à gauche. Ouais, on vous suit pas, de toute façon. On va passer là où personne ne passe. La pause l'endroit. Oui, 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 je l'ai mise avant de descendre. Pourquoi il parle plus là en radio? Il doit être en train de négocier. Il fait les négociations. Calme-toi. Je sais pas, je sais pas. Je vais que c'est stressant. En radio, en radio, venez amener l'otage main en l'air, s'il vous plaît. Il ne passe pas la porte. Je veux que le flic le voie à la porte. Point final. Moi, je me souviens sur un serveur, c'était moi qui étais l'otage de la bijouterie. Mais sauf que. Ah oui, c'est ça, ouais, il m'avait pris en otage pour faire braquer la bijouterie. Sauf que la bijouterie avait déjà été braquée. Du coup, ils m'ont donné des sous et je suis parti. Je sais plus c'était quoi comme serveur, mais ça m'avait fait rire ce jour-là. Mais si, faut que je me fasse un setup en vrai. Moi, ouais, j'ai un bureau, c'est même pas un bureau, c'est un. C'est un dépotoir, il y a des papiers partout. Tout le monde a de l'essence. Des documents à droite à gauche. Négociation commencée. Pour c'est l'instant, bon, parfait. Ils vont nous fournir un sultan, 3 pasta box, 3 orangina et un kit de réparation. Et tout ça, le sultan doit être plein d'essence. Normalement, ça devrait être respecté. On est moindre couille. Être correct, c'est déjà pas mal. S'il y a la moindre couille, je te le dis, otage. Je leur ai dit que j'allais te couper les doigts de pied s'ils accédaient pas à mes revendications. C'est pas mon but. Ok ? Mettez-vous à côté de votre. Je pense qu'ils seront intelligents, t'inquiète. Faut que vous vous rapprochiez. Comment se passe sur les lieux ? Là-bas, comment ça se passe ? Parlez-moi. Okay, vous à vous là-bas. Là-bas c'est vous là-bas. Très bien, très bien. Et vous? Pour l'instant tout se passe bien, la négociation s'est parfaitement passée. Ils ont 15 minutes pour m'amener le sultan. Ah, bon, par la suite, est-ce que je demande de l'argent en plus, sachant que j'ai déjà les bijoux de la reine? Sauf que là pour l'instant on est un peu cerné. Est-ce que juste je négocie de relâcher l'otage contre le fait qu'il nous laisse partir? Ouais, compte pas de herse surtout. Et pas de herse. Ok, ça sera fait. Herse. Ok, c'est noté. Vous vous démerdez, il n'a qu'à 47 aussi pour moi. Juste un échappatoire. À France, on me bat les couilles de l'argent. Revenez-moi en vie, c'est tout ce que je vous demande. Il
Vas-y. Tout se passe bien, tout le monde doit souffler, tout se passe bien. Pour l'instant, tout est ok dans les plans. Je vais en profiter pour vider la caisse en même temps. Est-ce que tout va bien? La moto là. Pardon? Attends, on va regarder celle-ci. Écoute, je prendrai celle-ci, comme ça on est tous les deux en dernier. On part en dernier. Ouais, pas de souci. Calvin, je vais prendre cette moto là, comme ça on est tous les deux. Mais les motos devant, elles vont vous gêner. Hein. Mais on va attendre que tout le monde parte. De toute façon, on va attendre que tout le monde parte. On n'est pas débiles. T'as dit quoi? Attends, je vais faire. Voilà, il en manque pas beaucoup, mais. Bon, tu sais, hein, moi je passe sur le côté. Hein. J'arriverai toujours à passer, t'inquiète. Coupe tes phares d'avance. Ok. Enlevez vos phares aussi. Il faut couper les phares de toutes les motos, s'il te plaît. C'est blindé, hein. Le coffre est blindé. Il me faut une personne avec un sac, il me faut une personne qui a un sac sur moi. J'ai mon sac, vas-y. Au fond. Ton mollet est blindé là. Bon. Essaye. C'est pas la même. Mais faut jeter toutes les motos qu'on peut pas ouvrir. Ils vont se tromper. On entend les flics et tout, pas loin. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'entends? Et... Non, dès là, j'arrive pas. Super, merci pour ta réponse. Où est mon troisième braqueur, ta grand-mère? Ah, la tension, quoi. On a perdu un braqueur, on a perdu notre conducteur. Ah, c'est normal, c'est que je me suis remis dans la... Pour venir. Dans là-bas, vous m'entendez, là-bas? J'étais pas vraiment... Content, oui. On a perdu le conducteur, on a perdu le tout petit. C'est pas grave, il est adopté, de toute façon, on a pas besoin de lui. C'est évanoui dans la nature. Pas grave. Reçu. On fait sans lui, hein. On passe, on continue, on s'arrête pas. Non. Oui, on improvise. Vous arrêtez pas. La merde. Je suis en train de les voir. Les keufs ont déjà réuni le sultan. S'il faut que ce soit moi qui conduis, c'est la merde. Hein. Mmh. Vraiment, les gars, genre... Tu veux, je pourrais essayer de conduire, j'ai le point, mais... Mais vaut mieux, j'ai trop mal à la tête, en fait. Vous voulez pas parler ensemble, là, vraiment? Écoute-moi bien, mec. Tu vas même pas essayer, mais tu veux faire. Ok? Tu vas réussir, d'accord? Et t'as plutôt intérêt. Allez, tu peux le faire large. Tu peux le faire large, hein. Je vais le faire. Tu peux le faire large, mec, hein. En vrai, je sais pas si j'ai le droit, moi aussi, de faire une annonce... Je te retrouve sur Discord en mode ouais, je live et tout. Au pire des cas, moi je peux aller, mais non.
Ah non, j'ai pas la permission, non. Non, bah du coup, ça répond à ma question. Ouais, mais. On peut revenir ici, on prend une moto. Il n'y a plus de moto qui est fermée à clé, c'est le cobard. Casse les couilles. J'ai le droit de faire quoi? On a pris trop de motos, c'est ça le truc. Et vous, non, vous êtes derrière. À deux, on serait trop traînés. J'en ai un, il y en a un qui va partir avec quelqu'un. Mmh. Il va manquer deux motos ici. Non, il n'y en manque qu'une. Logiquement, il n'y en manque qu'une. Apparemment, plusieurs ont eu des mal de tête en ville, du coup, il n'était pas le seul, le petit. Ah non. Du coup, les flics aussi. D'accord. Bonne nouvelle alors. Non, écoute, il y en a un de nous qui a eu un problème. Donc ça veut dire qu'on a une moto chacun, là, c'est nickel. On est sept, on n'est plus huit. Donc sept motos, sept gars, ok? Tranquille. Mais on. Tranquille, attends, comment t'expliquer? On va tous partir en moto. Ouais. Et pourquoi on les attend? Pourquoi on laisse pas les motos ici? Sachez que les montres, les bijoux ont été récupérés, les bijoux de la reine ont été récupérés, le coffre a été vidé. On est au complet. On attend plus que le véhicule soit donné, on lâche l'otage et on part. Et après, le plan, ok? Super. Tout le monde à 100% jusqu'au bout, hein. Même si pour certains c'est un peu plus ennuyeux. Mais à 100% jusqu'au bout. On se fait chier. Moi je pensais qu'on les attendait et ils montaient dans notre poteau. Cobard. Écoute. À la mort, à la vie. Comme d'habitude, à la mort, à la vie. Ouais, c'est ça. Si vous voyez que la communication s'arrête, c'est qu'on aura tout donné. Continuez sans nous au cas où. Mais on va tout faire pour venir, vous inquiétez pas. Oula. C'est plutôt intérêt. Il y a beaucoup de flics, beaucoup de flics. J'ai repéré dehors 7 voitures. Minimum 14 ans. On va s'arrêter, allez. 14 agents. Ça va être très dur. Ça va être très très dur. Est-ce que tu veux qu'on... On fait rien, on suit le plan. On suit le plan. Hey. Aucun plan à l'arrache. On reste sur nos plans. C'est pas forcément le moment d'improviser. Avez-vous lu tous le plan de A à Z? Avez-vous lu le plan où est-ce qu'on va tous se rapatrier? Oui, à la fin. Oui. Donc s'il vous plaît, je veux pas de questions qui volent en l'air pour rien quand je serai dans le stress, sinon ça va m'énerver et je vais mal vous répondre. Mais le prenez pas mal, je suis dans le stress. Je préfère le dire d'avance, plutôt que ça pleure, je préfère le dire d'avance. Et non encore plus. Donc la destination que je vous ai donnée à la fin où on se retrouve tous, wow. Je parle pas du parking, hein. Je parle après, quand on a fui avec la moto. On se retrouve au fond, comme d'habitude, tout au fond dans le garage fermé là. Ok. On a bien compris, t'inquiète. Parfait. Ok, c'est bon, je viens de comprendre le truc des motos. Vas-y, explique-moi parce que je suis pas bien du tout, j'ai tapé l'autre fois. Moi, je m'évanouis, c'est bon, je suis stressé. Non. Allez, on va le faire. J'ai peur, Koba. Je préviens, attends. T'inquiète. Je vais venir en vie, je lui dis. Ça va aller, t'inquiète pas. On est là. 14 flics, je suis en panique là. Moi aussi. Si tout se passe bien, qu'ils respectent les engagements, on devrait 14 ouvriers, ils sont tous débiles. Je voudrais bien que les flics ne respectent jamais rien. On les connaît tous. Hein. On peut avoir un coup de bol. Puis même s'il y a un problème, ils vont pas mourir. On aurait pu se disperser et déclencher un autre braquage ailleurs. Tout va bien. Ils sont 14 flics là. Hein. Je suis en panique. 14. Je suis en stress total. Non, les libères. Mon cœur bat fort et je fais une crise cardiaque sur place. J'ai mal de la poitrine là. J'ai une boule au ventre. Moi j'en ai rien à foutre. Moi je veux qu'on se fasse arrêter. Je passe en radio négociation. 300. Restez sur la 299, je vous rejoins. Ok, pardon. Excuse-moi, je t'ai pas entendu, merde. Mais tu tapes sur F4. Putain, je suis au GoPro, il aurait pas dire des trucs. Je t'ai pas entendu puisqu'il parle en radio, putain. 14 flics. Putain, j'aurais pas dû dire. Vous m'entendez là? On t'entend. Il aurait pas dû dire à la radio. Tu fasses gaffe, hein. S'en va les couilles. C'est juste pour la négociation, c'est tout. Ouais. S'il y a des coups de monde qui arrivent et qui font blablabla, quoi. T'inquiète pas, ça va bien se passer.
J'aurais dû me fumer un petit joint avant de venir. Tiens, j'ai de la weed. Comme au club, jus. Ah, PD2. Même si je suis pas bien, je suis. PD2. Bah, je l'ai PD2, mais j'ai fait. Jusqu'à ce que ça les ont. Ok. On entend les sirènes, tout va bien? Tout se passe bien, c'est bon. T'as déjà une radio, putain. Pardon. Je vais regarder les négociations, c'est tout. Je suis un peu fatigué ce soir. J'ai travaillé une bonne partie de la journée, je me suis pas reposé, donc excusez-moi si je suis un peu silencieux ou fatigué. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Tu veux un coup d'eau? Non, ça va. Personne parle pour le moment. Vas-y, pose ton casque un moment pour respirer. Non. Il parle plus, la chance se passe encore plus. Mais c'est normal, il est dans la même radio. Attends, je dois peut-être lui donner un truc. Attends. Mia. Oui. Prenez les motos devant, comme ça les personnes qui arrivent, ils prendront ceux derrière. Oh, merci, je savais pas que t'avais ça dans la poche. Ça va me mettre bien, t'inquiète même pas. Pas de soucis. Ah ouais. Je pense que c'est mieux de faire ça. C'est quoi les portiques claques là à côté là? C'est peut-être eux, non? Qu'est-ce qui se passe en bas là? Il se passe quoi? Rien du tout. Mais c'est quoi les portes qui claquent? Quoi? J'ai entendu des portes qui claquent là, c'est quoi? J'en sais rien. Ouais, okay. Je pense. Il est là, il arrive là. Tu crois pas que les derniers arrivés prennent les dernières motos là? Ben vas-y, on va te prendre les premières. C'est le meilleur des trucs. Moi je m'en moque, hein. Moi aussi. J'entends les sirènes, mais ils sont combien, putain, t'as mis. C'est 64 slots là. Merci beaucoup. Bon, 64 slots. Je suis en stress total. À mon avis, il y a 20 flics, genre. On a mis un coup de pression au flic là. Comme quoi l'otage il est craqué et tout. Comment va Koba? Il va très bien. D'accord, je te remercie. Radio, vas-y, il y a un code qui tourne autour. Un quoi? On s'en fout de Koba là. On rigole. Le plus vite possible pour se tailler, mais bon. C'est compliqué, on attend. S'il y a quelqu'un qui tourne, je vais te choper. Tu m'entends des radios? Ouais. Y'a quoi qui tourne autour là? Ok, je vais le chercher. Rien, vas-y, va le chercher. Passe. Ouais. À mon avis, je dois avoir un t-shirt en dessous. Du coup, on prend les deux premières, on prend les deux du milieu. J'en sais rien du tout, figure-toi, mais j'espère qu'elles ont toutes de l'essence. Hein. Bah, on prend les deux du milieu, là, celle-ci et celle-là. Là. Et elle là-bas. Ça, bah, j'avais fait plein de celles-ci normalement. Hein. Ouais, bah voilà, on part j'ai au deuxième. Mal à la poitrine. Termine, oh, t'inquiète pas. T'inquiète, relax. Ah, je peux pas. Eh, t'inquiète. Ah, je peux pas. On ira de sortir de tôle. Oh, même avant, t'inquiète même pas. Hein. Bah clairement, c'est pour ça, faut pas t'inquiéter, on a toujours un plan XY. XY. WZ, voilà, c'est... Ah, OC. Oui, je connais pas toutes les lettres, donc... Moi non plus. J'ai pas été à l'école. Moi, je pense que je me suis arrêté devant, et après j'ai dit, ah, c'est pas pour moi. Clairement. Ouais, clairement. J'ai vu des extraterrestres en train de courir dans une cour, j'ai fait oula, qu'est-ce que c'est que ça? Il a un peu pêché mon mec. Je me suis trouvé très calme quand même avec le petit gars tout à l'heure. Hop là! Ouais? Ia! Mec, hein?
Ouais, c'est... Encore un petit coup, hein. Ouais. Ah, ça fait du bien. Annie Deka. Tu fais du karaté depuis quand? C'est spécial. Ça me détend, ça me détend, ça me... T'as vu, je suis plus calme maintenant, t'as vu? Ouais. Ils sont tous fous. Elle. Oh, elle, y a pas d'essence. Ah bah super, bravo. Moi, y a de l'essence, celle-là, t'inquiète même pas. Dis-moi bien que c'est pas la mine, non. Ah merde, ma bouteille. Attends, je te la rends. Non, j'en ai pas loin. Ouais, y a des condés là. Y a des condés pas loin de nous, hein. Ouais. C'est laquelle qui a pas d'essence? Attends, là, c'est bien. Je peux mettre la visière. Ok, y'a plus de science aussi. Ah ouais, mais y'a même pas de plainte, ta grand-mère. C'est celle qui est devant toi, la mienne, tu vois. Attends, je la remplis. Ok, je veux un truc. Station essence. Y'a pas un qui a pensé à faire son plein d'essence, j'ai buté. Pardon. Ça y a rien, ma moto. C'est bon, la mienne, elle est bien pleine. C'est bon. Bon, la mienne, elle est. C'est une heure qu'on attend là, non? Ah, je crois qu'il en aura assez jusqu'au. Ah, j'espère. Arrête de bouger comme ça, tu me stresses. Non, pardon. Radio, comment ça va? Bien, tout est bon. Et 3, le conducteur est prêt pour reconduire. Oh, super. On entend les sirènes vers nous, hein. Ah, mon avis, il passe très très près. Ouais, mais à mon avis, c'est des jamais, c'est parce que tous les condés ils sont réquisitionnés là-bas. Ah, mais t'as raison. Enfin, je pense, après. De toute façon, il s'approche, je tire dans le tas. On m'en bat les couilles. On n'aura pas le choix. Non, tu peux pas tirer ici, on va se faire niquer. Bah oui, mais s'il approche, on n'aura pas le choix. Oui, on le tire dessus, mais après, faut qu'on bouge vite. Ah bah, clairement, ouais. Parce que là. Je fais chier. Ils font quoi? 14 flics. Je suis en panique. Total. Putain, total. J'ai peur. Et toi, arrête de tourner en rond là, tu me stresses encore plus. Moi aussi, c'est de bouger là, parce que je vais m'endormir moi. Mais non, mais reste tranquille là. Je suis tranquille. Fais un petit jus de mangue, t'as fait un petit jus de mangue, s'il te plaît. Ah bah oui. Non, mais j'ai pas du jus de myrtille, j'ai juste du. Oh non, pas ça. Non, j'ai jus de mangue. Ah, mais j'ai plus d'orangina. T'aurais pu la secouer un petit peu. Tu veux du jus de mangue? Attends, je te donne du jus de mangue. Qu'est-ce que t'as vendu du jus de mangue? Tiens, voilà, jus de mangue. Ah, super, merci. Qui a besoin de mettre kit avant? Je sais pas. Putain, je l'ai gobé la bouteille. Oh, tu l'as gobé, dis donc. Ah ouais, comme le flan. Faut qu'on dégage la moto de Koba. Mais comment tu la dégages? Elle ferme la clé. Donc toi aussi, il faut donner un coup de pied dedans. Alors, on glatte, un coup de pied dedans. Non. Mais lui, il pourra l'ouvrir, t'inquiète même pas. On passera à côté. Il faut qu'on le prévienne que sa moto est fermée à clé. Oula, mon débit, il part un peu en steak là, non? Ah ouh! J'ai fait un petit peu de. J'avais lancé pour gérer le débit. Ouais, ah, c'est ça. Pour se détendre, c'est comment donc, Calvin? Stable. T'as dit quoi? Pour se détendre, c'est quoi? Aide-moi. Je suis stable, apparemment. De quoi? C'est pour se détendre, il y a un truc pour se détendre. L'ASMR! Comment on fait? Ah, ouais, je sais pas comment faire moi. Ah, oum. C'est quoi ça? Tu fais ça. Ah, oum. N'hésitez pas. Soutenez-vous. Passez dire bonjour. C'est différent. Ah, oum. Vas-y, on va faire ça. Hein. Ouais, j'ai le temps. Hein. Vas-y, hop. Ah, on va aller voir lui. Ah, oum. Ah oui, non mais carrément. Oh, rigolez bien mais... parce que on peut se retrouver mort à tout moment. Hein. Bah c'est pour ça qu'on peut rigoler. Ouais. Hein. Mais non, mais j'ai une pub. Oh, mais à chaque fois que je vais. Ah, donc oh. Après c'est qui ça? C'est quoi? Unity. C'est lui. Hop, on va le lancer aussi comme ça.
Ah ouais, mon gars. Si les keufs me chopent, je vais faire toi. Bonsoir. Oh là là. Non, je pars pas de ce monde avant d'avoir buté un keuf. Ah, mais moi, clairement, la tête d'œuf, je te promets que la tête d'œuf, comme je lui ai promis, la tête va s'enlever le tatouage. Oh là là, avant de mourir, je vais tirer sur des gens. Allez avec moi. C'est comment la calvée? Vas-y, vas-y, en même temps, vas-y, 3, 2, 1, go. 0. T'as vu? Synchro! Ouais, ouais. T'as vu? Je m'appelle Chang. Ouais! Coucou! J'ai dit allez, bonsoir! Allez. Je vois le suivant. Je m'appelle Chang. Deux. Quoi? Je m'appelle Chang. C'est qui Chang? J'ai vu une série. Il s'appelle Chang. Ah oui, j'avais un ami qui s'appelle Chang. Nika? Si je dis bonsoir à lui aussi. C'est lui qui m'a appris, c'est toi qui m'a fait comme ça. Vas-y, fais-le et je vais tomber. Attends, je recommence. Vas-y, vas-y. Ah oh, bah merde, ah bah je suis désolé. Tu m'as fait exprès, je t'ai fait beaucoup. Mais non, je suis vif pour dire bonsoir aux gens maintenant. Bon, ça en est où là? C'est comme vous êtes sombre, nous, ouais. Là, ils ont plus que 7 minutes, sinon on se taille avec le tâche. Je suis calme, je suis très calme. Calme. Moi, je suis pas calme. Je vais être aussi calme dans la vie. C'est faux. Vas-y, on follow, vas-y. Bim. Bonsoir. C'est qui le prochain là? Une douleur dans la poitrine, je vous en vois même pas quoi. Rain. Mon cœur fait boum boum. Ouais. Mais raison, il fait boum boum. Ouais, trop cool. On me dit bonsoir et tout. Ah, ok. Ah oui. Et mon masque, il est bien, non? Ah, il est au top, hein. T'as dit quoi? Il est au top. Oh là. Oh. Il est collé à ma tête. C'est trop fort. Ouais. Oh là là. T'es calme toi. Enfin, tu fais boire calme. Ah oui, je suis très calme. T'as dû boire du jus citron ce matin au déjeuner. Avec du jus de myrtille. Ah, jus de myrtille. Ouais, c'est très efficace. C'est fou, il est pas calme. Prenez-moi quelques fois pour une opération comme celle-ci. Je boirai du jus de myrtille. Ouais. Ok. Bien sûr, si on achèterait. Ok, nous on a dit bonsoir. J'aime pas le café. Non, de la cannelle. Ah, j'aime pas la cannelle non plus. J'aime pas le gingembre. Ce qui recoute, recoute, coûte, c'est lui. Bill, Call of Duty. Eh, mais j'attends moi aussi ce jeu là, Call of Duty, moi je le veux. En fait, je suis en train de le télécharger, mais disons que je peux pas télécharger et puis. Et tout ça en même temps, du coup, je me repose à chaque fois, mais c'est long. C'est trop long, j'aime pas ça du tout. Demande info radio, là. C'est long. Info radio, c'est comment d'être trop long pour nous. C'est dans 5 minutes qu'ils sont pas là, mais on se barre avec le tèche. Oui. Qui c'est qui sont pas là? Les flics. C'est moi qui ai de la latence. Ils font ou... genre leur prendre leur temps pour bien se placer et tout. Alors pas du tout. Claire, claire. Et ils croient qu'ils sont arrivés à un mariage ou à une réception. Qu'est-ce que c'est? Oh! Attends. Qui c'est qui m'a dit? C'est là, non? Ah non, c'est pas moi qu'on a parlé. Mais j'arrive pas à le voir, son mec va lui. T'auras pas... Ah si c'est bon. Ouais, ils me disent bonsoir. J'aime pas. Bonsoir. J'aime pas. Vas-y. Regarde mon geste. Ah mais je veux Modern Warfare. On part dans la bijouterie dans maximum 6 minutes. 7 minutes plutôt. D'accord. Yes. J'entends pas ça. Ils partent dans 4 minutes, c'est ça qu'ils ont dit? J'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. 6 minutes. 6 minutes, ok. Oh, ah ouais. Ah, mais.
Bon, on a fait petit coucou à tout le monde qui a été mentionné. C'est pas mal. Vas-y, on peut dire bienvenue aussi. Vas-y, moi je dis bienvenue. Bienvenue. Non, j'ai marqué bonsoir. J'ai bien dit bonsoir. Paf. Mentionné. Bim boum. Vas-y, on va dormir. Je suis fatigué. Beaucoup de fatigue là. Ouais, c'est vrai que là, je sais pas ce qu'il fait. C'est clair, moi je vais tirer sur des gens. J'ai peur. J'ai envie de tirer, j'ai envie de buter un flic, des flics même. Mais clairement. J'ai envie de mettre tes balles dans la tête. Ah, tu m'étonnes. Du coup, j'ai été mentionné aussi, mais de toute façon, qu'il y a des bons soirs, j'ai pas vu. Il y a 18 minutes, hein. Ah, il y a un pacte. Impact. Enfin, te voilà. Comment vas-tu? Mon fier modérateur. Vas-y, après on veut, je sais pas, ça me semble, je vais jouer un peu à Valorant après. Enfin, faut dire, je sais pas, ça va être long, ça va être long. C'est long. Bien, bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. Faudra que je te parle et tout après. Écoute, reste calme, hein. Ah bah bon, je... Non, je te fais nerveux. Oui, je suis nerveux. Du coup, oui. Je suis nerveux aussi. Hein. Oui, je suis nerveux. Oui, oui, je l'avoue. Oui. Oui, madame. Oui. Là, je... Madame, quoi? Je sens ton angoisse. Donc, ça marche oui. Moi, justement. Oui, je sens très fort l'angoisse. Et dans ce petit... on va danser. Je t'en veux t'attendre. On va danser. Ça va faire 4 minutes, là. J'arrive pas à danser là. Ah non, c'est pas ça. Danser. Attends, j'ai mal dansé. Attends. Je vais danser. Hop, c'est parti là. Non. Vas-y là. Et je dois vous montrer un tour de magie. Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez! Quoi? Wow! Wow! Impressionnant! De lévitation. Ah oui, spirituel, ouais, c'est ça. C'était pas ça, non? J'ai pas compris. Quoi? Allez, danse avec moi, là. J'suis pas content. On se détend comme on peut. Allez, mais non, mais j'en ai marre. Et qu'est-ce que ça? Allez, 3 minutes. Quoi? 3 minutes. Ok. Ah j'ai peur. C'est quoi ça? On souffle. Ah ouais. On respire. Regarde, Mia, regarde. Regarde. Ça vaut des bruits quand tu fais t'envoies des bisous, toi, hein? Oui, j'envoie des lissouilles. Ah, c'est des lissouilles. Comme ça là, direct, droit dans le nez. Tu viens de me mouiller. Quoi? Bah merde. Oui, j'ai senti une goutte. Oh merde. Ça va, t'as un masque. Bah heureusement. Bah, heureusement, oui. Excusez-moi, mademoiselle. Pardonnez-moi, très cher. Où sommes-nous? Dans quel monde vivons-nous? J'entends des sirènes. Ouais, oui, je crois qu'ils partent. Ils partent. J'espère. J'arrive pas à me relever. Ok, retour, c'est moi. Oh. Ok, tout se passe bien, tout est parfait. Nous allons dans... Quand même. C'est imminent. Nous allons quitter la bijouterie, c'est imminent. Dans 2 minutes, nous quittons la bijouterie. D'accord. Veuillez vous tenir prêt, s'il vous plaît. On est prêt. Camion. Monsieur... Est-ce que camion est en radio? Il me faut camion en radio. Oh, j'ai en radio, moi je suis là. Camion, s'il est pas en radio, comment c'est pour lui dire qu'on arrive? Camion est en radio. Je suis là. On est là. Est-ce qu'il est en radio? Il m'entend pas, je crois. Il est en radio, mais tu l'entends pas.
Ok, mais ça me rassure pas, j'ai besoin d'être rassuré, les gars, là. C'est... Il est là, ouais, je suis là, bébé, okay, parfait, je suis là. Parfait, bah c'est bon, je viens d'entendre ta sous-merde de voix. C'est bon. Par contre, ta moto est fermée. Approche-toi, la clé. Viens, l'otage. T'inquiète, on verra ça après, mais ils étaient merdes. Ils étaient merdes. Au pire, il parle à quelqu'un. Grave. Ah, ça m'a fatigué, le coup de stress, je t'en parle même pas comment, hein, j'ai un coup de fatigué. Ah oui, fatigué. Oh là. C'est peut-être la fin. Oui, t'as raison, en plus, il faut que je mange un truc. Je vais manger quoi, un panini. Ouais, ah oui, merde, moi aussi, là. Exactement, oui. Oh, ça fait du bien, le panini, hein. C'est trop bon, trop bon. Non, les pâtes, c'est meilleur. Délicieuse. T'as arrêté de piéger comme ça, toi, parce que c'est désagréable pour les oreilles, hein, quand même. Vraiment? Ah bah oui, Regarde ça quand même, hein. Ah, c'est mieux quand je bois quand même. Ah bah non, moi non plus, hein. Ah non, ah bon. Ah, faut plus que je respire non plus, hein. C'est trop fort aussi. Non, mais t'as différent. C'est bon, je respire bien. Attends, regarde ton cœur. Oh, mais t'es presque à la gomine, hein. Tu vas nous faire une crise cardiaque, là. Départ de la bijouterie. Départ. Aïe. Désolé, Mia. Désolé. On voit sur une moto. Y'a pas d'essence vite. Dans le Sultan. Ils nous ont baisé. Je peux pas vous partir. On arrive vite. C'est juste à côté. On arrive. Ils arrivent, la Mia là. Monter. Camion, tu te tiens prêt. Désolé, Mia. Ça va, Mia. Ouais, ça va. Ok. On arrive. On est à 200 mètres. 100 mètres. 50 mètres. On rentre dans le barque. Attends. Avancez, on rentre au parking, on monte la pente. Prépare-toi camion. Maintenant. Ils sont derrière. Ils sont tout près, les gens. Commencez à avancer. Vas-y, passe sur le côté. Vas-y. On part. Go. Départ. Go, tout le monde départ. Vas-y. À droite. Go, maintenant. Go. On va partir à droite du tout. La droite. Droite toute. Dispersion des motos. Pas d'accident. Dispersion, vous savez votre rendez-vous. A tout à l'heure, messieurs. Parfait plan. Tout à l'heure. Merde. Allez, sont sur nos coudes. Hein. Dispersion. Je suis suivi. Suivi par deux keufs. Les aides. J'ai l'argent, j'ai les bijoux. Vous inquiétez pas. Dispersion, prenez les montagnes s'il faut. Ne soyez pas abusés dans vos montagnes, s'il vous plaît, restez ok. Vous m'en suivez là, non? Apparemment, non. Il est passé là. Passe. Lune. Qui s'est fait péter? Déclaré. Personne. Ok, go, on échappe, go. J'ai mis deux grosses feintes. On a vu. Allez, clear radio, rendez-vous Human Labs. Si vous faites suivre, ne venez pas au Human Labs, s'il vous plaît. Ne venez pas. Il y a personne qui se fait suivre, dites-le. Moi, je me suis plus suivi. J'ai mis deux grosses pattes à deux flics. T'as dit quoi? On n'est plus suivi. Qui est suivi encore à l'heure de sortie? Déclarez, s'il vous plaît. Et tous, je suis là pour savoir qui s'est fait péter. Personne s'est fait péter une fois. Mia, est-ce que t'es échappé, Mia? Non. Ouais, c'est bon, c'est cool, t'en es où? Oh là là, parfait. C'est bon, je suis sur l'autoroute. Oh là là, ton bac est parfait. Là, Cani. Parfait. Cani est avec moi. Tout se passe bien. Cani, il est avec moi, il m'a emmené loin. Ouais. On est au vigneron, nous. Rendez-vous Human Labs pour tout le monde. Plan final. Lâche la moto, on prend. C'est champagne. Attends, j'ai rien touché. Ah, c'est... Il y a un petit coup de pression là, quand j'ai vu le flic. Bébou, rassure-moi, t'as réussi à fuir. Bébou, de toute façon, il est... Spam le truc. Petit frère, t'es où? Il a spammé, il s'est échappé, c'est bon, il s'est échappé, il a spammé. Respam, c'est tout ça. Moi, j'ai un gros problème, Il s'est échappé, c'est bon. Mama, tu t'es échappé? Problème de cerveau. Est-ce que tu t'es échappé? Oui, je suis sur la moto avec je sais pas qui est sur parfait. Parfait. Clean radio maintenant. On se retrouve à Human Labs. Non, moi j'ai servi à rien, juste à toi. Éteignez vos radios si vous pouvez. Ah ouais? Non, je peux pas.
Caniche tombé. En fait, les flics, ils m'ont suivi. Du coup, ils ont pas suivi les autres. Et du coup, à mon avis, dans leur radio, ça a dû partir totalement en couille. Ouais, y'en a là. Et du coup, ils ont essayé de se diviser, mais on les a brain. Moi, je me suis fait suivre, j'ai tourné dans une ruelle. Et après, bah, ils m'ont perdu. Ils ont dû redescendre, après, je suis passé dans leur bac et bim, terminé, quoi. Impressionnant. Hein. Prendre des raccourcis. Bim. Raccourcis. Tout le monde. Arrive au labo. Nous, ça va être un petit peu plus long le temps d'arriver parce qu'on a fait un énorme détour, c'est tout. Et on va arriver. Oui, tout va bien, pas de kilomètres. Bon, ça vaut pas la montagne, ça. Ou pas la conduite là, du coup, pour la sultane. C'est bon, je suis arrivé au point d'extraction, moi. Trop fort, c'est bien. Et ouais, mon gars. On n'est pas dégueu, nous. Ouais. Pardon. Je voulais faire une arrivée en trompe. Ma moto, elle fuit, mais j'ai quand même réussi à esquiver les flics. Hein. Tu m'entends, Mia? Ouais, je t'entends, bravo. Tu sais que les flics, ils étaient derrière moi. Ouais. Je tournais dans une ruelle, plus personne, je les ai vus repasser. Je vous entends. Et je suis passé dans leur bac et du coup ils m'ont pas vu et je me suis enfui. Bravo. Impressionnant. On a, on a pas pu partir ensemble là, du coup. Hein, parce que, ouais, t'inquiète. La... On est improvisé, c'est pas... Ouais, c'est pas grave. Garde-toi en marche arrière après pour qu'on puisse repartir bien. Ok, ok. Popopo. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Affirmatif. Ah putain, ils me disent que c'est réparé, mais c'est pas vrai, quoi. Ça veut dire que ça va bien. Répare-la, t'inquiète pas, j'ai encore des petits gains. Dieu. Ok, bah monte pas dessus, alors. Tu sais, non. Parce que je crois que t'es monté dessus, du coup, c'est pour ça. Bah oui, j'avais pas le petit entraînement, je suis désolé. Ok. Ah oui, j'ai eu peur qu'ils étaient à deux sur nous, hein. Franchement. Annoncez-vous quand vous arrivez, quand même. Tu viens d'arriver avec... Avec un 4x4. Avec un 4x4. Ça aurait été bien 3 semaines. Tu aurais même pas pu rouler avec la moto. Ah. Oui, merci, le nouveau PC. Oui, ça c'est sûr. On en profite, attends. Mais c'est pour ça, le PC que j'avais avant, ben, je pouvais pas montrer mon skill. Tu vois, j'étais restreint. Pour moi. Et là, bah, là, je peux exprimer mon skill en toute sincérité, en toute... Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus restreint. Donc forcément, j'ai toujours été comme ça, hein, mais c'est que vous ne pouviez pas le voir, quoi, c'est tout. Le mec qui a la grosse tête, c'est moi, quoi. Bon, je... Ouais, les chevilles, ça va, mais la tête, elle est un peu gonflée, je crois, j'ai de la fièvre, là. Ouh. Ah là là. Qu'est-ce que c'est ça? Appuyez sur le menu. Non mais c'est vrai, le nouveau PC là, je stream et tout ce que j'ai toujours voulu, quoi, ça me fait trop plaisir en vrai. Avec une qualité vraiment bien et tout, et j'ai pas trop de bugs en fait, je suis content, vraiment. Ah ouais? Cool. J'ai obtenu ce que je voulais, quoi, je suis vraiment content. Mais je ne le prends pas pour qui, parce que du jour au lendemain, il peut se passer un truc. Donc, là, juste bon. sur la dernière ligne droite. Je suis content, mais je garde quand même en tête. Dans ma vaudou noire, j'arrive. Qui peut se passer une couille, genre, tu vois ce que je veux dire? Qu'on est arrivé. D'accord, très bien. Bon, t'inquiète, tout va bien, j'ai 3/4. Ça me décale du mur. Ah ouais, putain, c'est greedy de ouf. Attends. Oui, d'accord.
En vrai, je sais, la qualité, elle est pas optimale, mais en vrai, ça va. C'est vrai, je pourrais l'améliorer. J'ai pas encore fait les tests, d'ailleurs, sur Streamlabs, mais je le ferai ce week-end, je crois. Ouais, parce que je suis pas là, en plus, dans la semaine. On arrive, là. On arrive, on rentre dans le site. Ouais, ça va être chaud, par contre. Ouais. Pour Noël, ça va être chaud, parce que s'il faut que je stream 7 jours d'affilée... C'est-à-dire qu'il va falloir que je lance un stream durant Noël, genre... Venez la part du garage, s'il vous plaît. Ah, je crois du Valorant. No problème, vas-y, je l'ouvre. Je sais pas, après j'aurai d'autres jeux. J'espère que j'aurai fini de télécharger Call of Duty Modern Warfare, là. Parce que je suis en train de télécharger en ce moment, je suis obligé de mettre en pause, tu vois, pour le live. Et genre, normalement, si je l'ai et tout, je le streamerai, genre... Ouais. Le blocage de qualité, le départ de moto de qualité. Bonsoir. Ouais, je l'ai dit. Oh là là, les frères. Je suis très fier de vous, franchement. Les... Bon. Non, c'est pas Warzone, c'est le jeu. C'est le jeu. Let's go. C'est pas un multijoueur, quoi, que je veux. Bah oui, je le veux. Je suis en train de le télécharger. Moi, je voulais le multijoueur et tout, et là, il est en train de se faire. Vous vous allez vous étouffer. Ah, moi, j'en reviens, moi. 1020, 1030. Tu l'as, c'est vrai? Oh là 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 là. Ah là, mais après, bon, avec ton petit skill, bon, je sais pas si. Si on devrait jouer l'ensemble, quoi. Non, c'est ça. 800 000! 900 000! 950? 1 million! 1 million! 1 million! 1 million! En vrai, le truc, c'est que. Regarde, bah oui, c'est ça. Le truc, c'est ce que je veux dire, c'est que moi, je vais commencer le jeu. Donc, je vais être niveau 0. Donc, là, ça va être moi, le noob, en vrai. Donc, ça va être toi de me trash talk là. Ah, je vais pas apprécier. Je vais te ban, à mon avis. J'en suis sûr, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, là, ma mère. Ouais. Je vais répéter, mais j'ai qu'un truc à dire. À la mort, à la vie. À la mort, à la vie. À la mort, à la vie. À la mort, à la vie, les frères. Ghost a pu putain de mur, j'ai pas de 1 million 5 à partager en 3, 6, 7, 8. Oh là 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 là. Bah oui, il y a un stade le mec. Combien ça fait? Calcule-moi combien ça fait. Ok. Ah non, 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 pas de musique. Moi je danse des mois, vas-y. Attends, merde, c'est où les danses? Ouais. Vas-y, on danse de loin, comme ça on n'écoute pas leur musique. Wesleyan, etc. Là, ouais, c'est quoi ça? Ouais. Super, allez. On se lance en même temps. Bah, c'est bon. On se lance à 4. Mais je peux pas. Mais je peux pas, la musique de merde. Bah ouais, c'est pas forcément ça, c'est que même sur. Sur Twitch, mes VOD, il y a des moments qui sont coupés en fait parce qu'il y a des droits d'auteur. Ah ouais. Carrément quoi. Genre, je suis rejeté et tout. Je suis exclu. Ouais, moi, je suis triste. Ouais. Je vais faire le triste. Ouais, Attends. Oh, il y a un ami. C'est qui ça? Ouais. C'est où Twist là? Viens danser avec nous! Ah, triste, il est tout à la fin. Vas-y, je suis triste. Ouais, je suis rejeté et tout. Parce que je peux pas écouter leur musique de merde. Parce qu'ils sont nés dans les totems. En vrai, sur YouTube, je me suis fait engueuler. C'est vrai en plus. Du coup, je suis vraiment très triste et tout. Personne ne s'occupe de moi et tout. Mais 1 million 5, je peux même pas fêter ça avec eux. Alors, moi, je m'en fous, c'est mon personnage. En vrai, non, je troll. Mon personnage, il s'en bat les couilles. Ouais, je suis trop triste et tout, je peux pas fêter ça et tout, je peux pas faire une danse chelou avec eux et tout. Ah ouais, comment je suis trop déçu et tout, avec leur musique de merde et tout. Ah ouais, et tout.
Ça y est, ils ont fini leur musique de merde. On passe le unicorn après. Franchement, non. Moi après, dodo. Ok, ok. J'ai le mec complètement déprimé. Tout le monde s'en bat les couilles. Tu sais quoi, venez, on part tous en ligne à la queue leu leu. Vas-y, je les rejoins pas. Je leur fais la gueule. Tout le monde a la queue leu leu. Tout le monde a la queue leu leu. Vas-y, je réponds pas à tout, en mode je suis trop triste et tout. Les gars, j'ai calculé, mais par contre, c'est pas au bon truc, hein. J'ai 37 500, mais c'est pas blanchi. Ouais, c'est rejeté. Compte un million, compte, je pense, ça fait au moins, ça fait 100 000, 110 000. Ça ferait 110 000 pour chacun. Tu as la voiture devant vous, je sais pas si vous voyez. Tout le monde s'en bat les couilles en fait de moi, ça me fait trop rire. Enfin de mon personnage. J'ai les punis dans un coin là. Ouin ouin, je suis rejeté. Ouin ouin. Musique droit d'auteur de merde. T'es où? Vas-y. Attends. Vas-y. Je suis rejeté. On est marre. Vas-y, moi je veux que ça bouge là, j'en ai marre. Ah, ils ont pas de radio et tout. Arrivé à la maison, j'aimerais vous parler, vous mettre en ligne comme on a fait l'autre soir. Tu vas aller à la maison hein? Très rapidement, ça durera. Oh, deux minutes max, hein. Petite réunion vite fait. Tranquille. Viens, on rentre à la maison. Félicitations tout le monde, ça fait plaisir. Ok, on va pause. C'est cool, réponds-moi, t'es où? Ouais, j'arrive. Ça part au drame. Vous voulez pas, je m'arrête pas, hein, j'ai quand même l'argent sur moi, du non, coup je rentre. Rentrez, rentrez, ne vous inquiétez pas. C'est cool. T'as dit quoi? Rentrez, allez-y, ne vous inquiétez pas. 5 flics, hein. C'est pas là la ferme. Ouais, mais pourquoi elle m'envoie cette pause? Ah ouais, comme du coup, parler, moi, je te parlerai de la prochaine, fin, de la prochaine échappatoire si on fait un autre truc. Il y a Aaron, Aras qui veut te voir, Koba. Mais il attendra demain. Il ne me voit pas. Ça fait quoi? Ah, vas-y, je jure. Je m'en doutais. T'es tombé? T'es arrivé? Non, vas-y, j'ai fumé ma voiture. Ah, d'accord. Comment ça va les couilles? Ça me fait trop rire. J'ai piné 5 minutes et genre après, je suis comme si de rien n'était. Ah, c'est bon, on arrive à la maison. Okay, okay. Okay. On est arrivé à la maison là. J'ai encore la démarche de pionneuse. Attends, je vais mettre un chute. Attends. Ouais, tout à fait. On s'en fout. Je suis dégoûté, tout ça sert à rien. Je suis même pas là, tout le monde s'en branle. Parce que si j'existe pas, je suis une merde. Tout le monde s'en fout. Mieux que l'original, soyons très très clairs. Hein. L'original avait reçu quelques petits problèmes que nous n'avons pas reçu du tout de problème. Donc c'est parfait. Donc pour ceux qui étaient sur les motos, ça veut dire genre t'es nul. Enfin pour vous c'était pas passionnant du tout. Sachez que pour le prochain braquage vous serez directement concerné, que vous serez directement dans l'objectif. Donc sans me baquer,
et Mia. Vous serez directement dans la banque ou dans la bijouterie sur le prochain braquage. C'est compris ? Ok. D'autres prendront vos places. Par exemple, ceux d'aujourd'hui, donc Mamad et Dwayne, vous serez la dernière fois, la prochaine fois, vous serez chargé de vous occuper du dernier échappatoire, ok ? Moi, j'ai bien changé aussi, ça me fait super. T'as dit quoi ? Moi, j'ai bien changé, parce qu'attendre un parking à chaque fois... Non, après, c'était bien, ça allait très bien. Hein. Il y a 2-3 qui étaient un petit peu stressés, là. Ouais, non, on fera en sorte, en tout cas, pendant les réunions, déjà, soit à l'heure. Déjà, les bouts soient à l'heure pendant les réunions. Et comme ça, t'auras pu lever la main au moment où j'ai dit qui veut être dans la bijouterie. Les gens ont fait ça. Lever la main, tout simplement. Okay. Donc la prochaine fois, là par contre, pas le choix, on inversera les rôles. Sambaqué, je le veux en première ligne avec Mia, ok ? Pas de souci. Super. Là, j'ai pu voir que chacun était solide, patient. On va recommencer. Parce que là, pour l'instant, je trouve que c'est mou. Vous en pensez ? 1,5 million, c'est mou, non ? J'en veux toujours plus, je suis désolé, j'en veux toujours plus. Faut sauver la ville, là. On est d'accord. C'est trop facile. Clairement. Du coup, prochain objectif. La banque de Paléto. Ah ouais. Encore plus gros. Encore plus gros. Encore plus lourd. Et avec un échappatoire. Pour ceux qui ont vu l'échappatoire au pont. Ah, il y a un autre braquage de prévu, les gars. Cet échappatoire-là. On sera plus dans le secteur. Mais ce plan là il sera vraiment dangereux. Donc du coup je vais tout bateau, hélico, moto se mettra en place, ok. Je vous expliquerai ça plus précisément comme j'ai fait sur l'opération d'aujourd'hui avec un dossier bien complet. Bateau, hélico, okay, tout ça quoi. Donc là ce soir 1,5 million de salles. Donc on va prendre large. On va dire 1 million du coup de propre. On va dire que ça va faire 1 million propre. Je prends large hein, au cas où. Vous connaissez la machine, des fois elle nous fait des surprises. 1 million, donc on est 3, 6 et moi 7 et 8 avec Yannick, du coup 7 et 8 125 000 par personne, 6, c'est le minimum 7 que vous aurez. 8. 125 000 par personne pour ce soir. Encore okay. On va être payé, encore une fois alors qu'on n'a rien fait. Il y a vos masques, il y a le meilleur Rabunta qui s'en est arrivé. Oh putain, et j'ai de la thune sur moi. Ah ouais, je savais complètement zappé. Pour ce soir, pas d'autres revendications spéciales. Ce soir, moi comme d'habitude, après les bracos, je suis très fatigué. J'aime bien aller dormir. Dès demain, l'argent sera mis au lavage. Et normalement, dès demain, vous avez votre argent. Demain, je vous rappelle à tous, il y a une grosse mission qui est mise en place pour les Marabunta. Du coup, je vais lui rappeler ce soir. Ouais. La mission des Marabunta, elle est très simple. Nous allons devoir trouver deux gros camions. Dans ces gros camions, nous allons y placer de la drogue et des armes. Ils le savent. Ils devront emmener ce convoi, donc de deux camions, du port du sud jusqu'au bout de Paléto, au bûcheron. Ok ? S'ils réussissent, ils seront rémunérés. S'ils ne réussissent pas, ils me devront de l'argent. La cargaison est bien sûr à rembourser. Ok ? Ok. Yes. Kani, tu vas voir s'il te plaît s'il y a quelqu'un dehors. S'il te plaît, vas-y, fais un tour et reviens. Moi, il est rejeté. Il est là ? Ouais, je m'en doutais, je l'ai entendu. J'ai entendu une voiture. Je m'en doutais que j'ai arrêté de parler. Vous partez pas le temps qu'il est là, je vais vous expliquer la fin du plan après. Parce qu'il y a un mais. Vous connaissez. Rien ne se passe comme ça doit se passer. Il est où ton ami là qui voulait faire venir ? Oh, entre Marabunta, entre, je t'en prie, approche, rentre. Mais en l'air. S'il vous plaît, le cartel, vous vous mettez derrière, du coup, à leur place. Et j'ai ça, j'ai tout. Ce qu'ils ont à dire, je fais le roi sur son trône, vite fait, là. Je suis fatigué. Bon, je vous écoute, dites-moi tout. Je voulais le voir. Ouais, c'est à propos de... pour demain, là. Ouais. Demain soir. Ouais. C'est pour avoir les plans de où il faut aller et ça. Très bien. Est-ce que tu connais la discothèque Le Galaxy ? Ouais. Très bien. À cet endroit-là, demain... 22h45 précisément. Vous sera livré deux camions. Dans ces camions, il y aura de la cocaïne et des armes. Vous devrez prendre ces camions-là. Les emmener jusqu'au bûcheron qui se trouve au niveau de Paléto. Okay. Cette cargaison, comme je vous l'ai dit, vaudra entre 2 millions et 3 millions de dollars. Vous vous êtes engagé la dernière fois. Si vous perdez ma cargaison, il faudra évidemment la rembourser minimum à la hauteur de la moitié. Donc 1 million. Si vous arrivez sur place, une récompense de 200 000 dollars vous sera remis en argent propre. C'est clair ?
clair. Plus un gain, si ça vous intéresse. Moi, ça nous intéresse. D'accord, donc 200 000 un gain, ce qui fait une rentabilité environ de 330 000 dollars. Donc un tiers de la somme que vous devez rembourser si vous perdez ma cargaison. Ok, les gars? 22h45 au Galaxy, nous vous attendrons là-bas. Toute mon équipe ici sera présente. Ok, okay. Il y aura plusieurs embûches, j'imagine, comme les flics, que vous allez devoir éviter. J'espère que tu as prévu du monde autour de toi comme je t'avais conseillé. Oui? Ouais, t'en fais pas pour ça. Je veux pas de surprise. Demain, quand tu vas arriver sur le convoi, qui sera sur place à part toi et Aaron? Normalement, il y aura une autre personne ou deux. Qui? Un autre à nous. Samara? Ouais, ouais. Ok, pas de problème. Est-ce que tu employes d'autres groupes? Normalement, pas encore, mais faut que je réfléchisse encore. Ok. Pardon. Très bien. Du coup, c'est pas grave. Je t'en prie, mets-toi derrière moi. Du coup. Attends, s'il te plaît, arrête de rire quand termine. C'est sérieux là, c'est un rendez-vous business là. Bon, du coup, reprenons notre sérieux, traite de plaisanterie. Donc, dans ce camion. Je serais. Comme je dis, aura de la marchandise. D'accord? Cette marchandise, elle sera sur palette, filmée de noir, filmée de plastique noir. Si mes palettes sont entamées, c'est-à-dire que si vous découpez ou vous essayez de regarder ce qu'il y a dedans, je le saurai. Je déteste qu'on fouille dans mon sac à main. C'est clair? Donc, je compte sur vous pour que le travail soit fait de A à Z, clean, parfait, sans embûche. Prévoyez que vous avez à prévoir, j'ai pas à vous donner à dire comment faire votre travail. Mec, ce soir, on sort d'un. Je sais pas si vous avez peut-être en ville, il y a eu de l'agitation. En mode selfie. Bijouterie. Nous, on sort du braquage de bijouterie. Mais remporté, mais main levée. Mais très, très, de très, très loin. Donc, on compte sur vous pour que ça. On compte sur vous pour que ça se passe de votre côté aussi bien que nous. Ok? Est-ce que ce contrat vous convient toujours ou est-ce que comparé à hier il y a une objection? Sur un screen pour la miniature, faut que j'y pense en fait à la chaque fois. Proposée, vous parce que vous toutes les redifs que j'ai postées, il n'y a pas de miniature. Genre, je fais une photo comme ça et. J'essaierai de mettre une miniature. Du coup, pour aller. On verra ce que ça donne. De Galaxy jusqu'au bûcheron, tu auras exactement et précisément 20 minutes. Okay. Excéder ce délai. Éditeur. C'est quoi éditeur? Mes équipes et moi-même se retirent. Ah oui, non, mais je sais. Colis. Ouais, je sais, mais. Pour moi, la marchandise sera perdue. Genre, je fais un stream, tu vois, et. Convenu, la moitié du convoi. 5 minutes. Quoi? À partir du moment où je te dis, let's go, tu peux y aller, tu pars avec les camions. C'est pas dès que t'arrives, c'est 20 minutes, non. T'arrives, tu t'installes, tu vérifies l'essence, tu mets ton plein d'essence, et là, c'est top départ. La radio. Mec, nous quoi, te ça donnerons la radio, la fréquence de la radio. Il y a 4 mecs au qui sont modérateurs sur le quand tu arriveras sur place. Cette radio, à aucun moment je veux que tu ne quittes. Mais ça sert à rien, éditeur. Je veux savoir ce qui se passe à chaque minute. Si tu t'arrêtes pour pisser ou pour acheter un croissant, je veux le savoir. Ok, pas de soucis. Donc réussis la mission de A à Z et un bonus te sera fait, en argent ou en matériel. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, un avantage te sera fait. Ok? Souci. Super. Avez-vous des questions qui en plus de tout ça? Moi non. Aaron, t'as des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui sont au courant? Normalement non, à part tout méga là. Et ouais, on en a parlé sur le pont la dernière fois. Rien d'autre. Bah, écoute, quand c'est la fin du. Prouviez que vous êtes reparti dans le. Quand c'est la fin de la SNRP, genre que tout le monde se déco, etc. Je resterai en jeu. Genre dans un coin par exemple ici, je te mettrai le truc éditeur et on testera. Si ça sert à rien, ça sert à rien de garder quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais, est-ce que vous êtes capable de faire une opération, une mission? Un vrai truc. Et c'est ça que je vais vérifier. Parce que si demain moi j'ai un braquage de banque centrale, encore une fois vous direz, oui je suis gourmand, j'ai besoin d'argent. Mais, je veux pouvoir compter sur vous comme j'ai compté sur d'autres groupes pendant mon dernier braquage. Payé moi encore. Et ils pour ça, il faut que je vérifie si vous êtes viable à suivre un plan de A à Z correctement dans les temps donnés, dans les conditions données, etc. Vous comprenez ma démarche ou pas?
Ouais. Très bien, et en plus ça me permet de vous payer, de vous permettre d'avancer. Vu que moi je suis assez riche, ça me permet de vous balancer un peu de thunes. Ok ? Sachez que... il y a quelques soucis en ce moment en ville de certaines personnes, de certains groupes, que j'aimerais pouvoir m'entretenir, et ça aussi, ça sera par la suite une petite mission que je vais vous confier. Je voulais que je vous confie tout de suite plusieurs missions, ou est-ce que vous voulez attendre et faire une par une ? C'est à vous de voir. C'est pas des grosses missions, c'en est une petite comme ça. Bon, tu peux nous dire quand même. Ramenez-moi des familles. Ok. Je veux des familles. Je m'amuse à voir sur le Darknet que hier encore au parking central, il y avait trois familles et un Vagos. Je veux ces 4 fils de pute dans ma maison à genoux, c'est clair. Vraiment, hein. Je veux ces 4 fils de pute à genoux. À propos de cette photo, c'est une ancienne photo parce que... Je m'en bats les couilles. Oui, mais en fait... J'ai compris, c'est pas mon problème. C'est une mission, si t'arrives pas à la remplir, je vais pas te punir. C'est pas les caillons. Si tu me ramènes un gars, t'auras de l'argent. Tu vois ce que je veux dire, le truc ou pas? Okay. C'est des missions bonus, tu vois, des trucs en plus. Okay. Là, je te parle, les camions, c'est mission ponctuelle. Okay. Mission en bonus et ramène-moi des têtes. Mais les têtes qui m'intéressent. Les têtes qui m'intéressent en ce moment sont les familles. Okay. Et crois-moi bien que la photo à l'ancienne, en mode, je sais qu'il y a des familles qui travaillent sur mes points sans payer. Et à l'heure d'aujourd'hui, encore hier. Hein. Donc renseigne-toi, je sais pas si c'est des familles ou des gens qui se font passer pour des familles, mais des gens envers qui ne sont pas mes gars, évidemment. Travaille sur mes terrains sans payer, donc je veux vraiment leur tête. Ok, okay. Connaissez-vous un groupe qui s'appellerait les Affranchis? Et quoi? Un groupe qui s'appelle les Affranchis. Moi non. Vraiment pas? Non, ça me dit. Ok, très bien. Dans ce groupe, il y a plusieurs personnes que c'est quoi, ça, les Affranchis, je sais que vous connaissez, mais qui sont très discrets. C'est un groupe qui travaille, qui est très organisé. C'est un groupe aussi qui vous surveille énormément. Et ça, je le sais de sens sûr. Peut-être parce qu'il y a quelques temps, je leur ai demandé de vous surveiller. Mais qu'il y a quand même 2 jours, je leur ai dit de vous lâcher quand même, au bout d'un moment. Donc, c'est nous, mais je sais qu'ils continuent à vous suivre. Parce que j'ai régulièrement des messages pour me dire vos activités à gauche, à droite, quand Aaron arrive au mécano, etc. etc. quoi. Mais je vais vous leur dire que je m'en bats les couilles, mais ça continue, tu vois. Ils espèrent que... Argent. Donc... pour le convoi de demain, il va falloir que vous fassiez très attention. Si vous êtes suivi, si vous êtes surveillé, s'ils font une interception, les gars, ça va mal se passer. J'ai pas envie que vous me payiez en fait. J'ai envie que tout se passe bien. Et j'ai peur que à 2 ou 3, ça soit court. Tu vois ce que je veux dire, Réfé? Il y a 2 camions. Je te passe 2 semi-remorques. Ils seront blindés de cocaïne et de minuzi. Comment tu... J'ai peur. Et c'est rare, hein. Mais j'ai peur. Là, il va falloir me donner confiance, et demain, là, c'est la meilleure mission. C'est la meilleure mission, c'est donnez-moi confiance en me prouvant que vous êtes capable de faire ça dans les règles et tout propre, ok? Ouais, maintenant qu'on sait que c'est dehors, on va s'organiser. Génial. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non. Pour cette mission? Armes, argent, véhicule? C'est comme tu veux. Non, moi j'ai besoin de rien. Hein. Moi j'ai besoin de rien. Est-ce que toi t'as besoin? Moi ça me va tout me va. Donc t'as besoin de rien. Ok, pas de problème. Bah écoutez, mes hommes vont vous ramener. On se dit demain 22h45 près de Galaxy au port du sud. On est bien d'accord? Galaxy, okay. Port du sud. Ouais. Super. Nous t'amènerons un minuzi histoire que tu puisses te défendre. Si t'en as déjà un? Ou ouais, deux? J'en ai un. Vous en avez qu'un ou vous en avez plusieurs? Moi j'en ai un. Qui c'est? Dis-moi. Réfé? Aaron, t'en as un? Non, mais j'ai un score. Est-ce que tu veux un minuzi ou ton scorpion suffira? Je crois mon scorpion suffira. Ok, donc pas besoin d'armes. Très bien. Messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Je dois me reposer. Le braquage a été, comment dire, assez mouvementé. Merci, messieurs. À demain. Bonne soirée. Au revoir. Merci de vous être déplacé. Pas de mandat. Est-ce que tu peux le raccompagner, s'il te plaît, Kani? Merci. Allez, merci. Assure-toi qu'il quitte mes terres. Cannibal, tu m'entends? Cannibal. Sors, ouais, va t'assurer qu'il quitte mes terres. Donc soyons clairs, j'ai mis les bikers sur leur trou de balle. Hein. C'est les bikers qui vont venir intercepter le combat. Ouais, c'est vrai, les responsables, okay. C'est les bikers. Ah bah, pour qui tu me prends? T'es sûr que c'était pas net. En fait, moi, on me nique une fois.
Ils ont essayé de me niquer. Maintenant, je les baise à foison, tu vois, dans mon gangbang à répétition. Comme des vieilles... Ouais, comme des vieilles putes que je repaye à chaque fois, tu sais. Ouais, c'est bon. Ok. Cannibal. Du coup, les plans sont très simples pour ces deux gadgets là. C'est que j'ai mis les bikers tuto. Hier, on a chopé trois mecs. Mais tu peux spam un peu en chat, s'il te plaît. Je les croise aujourd'hui, hein. Ils sont en groupe, ils sont quatre, tout se passe bien pour l'instant. Ok. Ils sont quatre. Il y a un autre biker qui sont cinq en tout maintenant. D'accord. J'ai mis le groupe des bikers sur le plan. Je vous explique. Les bikers demandent pas beaucoup d'argent. Les bikers sont juste à la recherche de bonne entente, de plans, de choses à faire avec, certes, un minimum de rémunération. Ok. Là, demain, Galaxy, 22h45, pour ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent pas, je comprends, y'a pas de soucis. On est la veille du réveillon, y a aucun problème. Du coup, on leur fournit deux camions, deux semi-remorques, qu'on aura pété, je sais pas où, on s'en bat les couilles, deux camions pétés, là, on s'en bat les reins, mais des semi-remorques. On les met au Galaxy. Au Galaxy, je viens de vous le dire, ils iront au bûcheron. C'est bon, ça prend moins. Et là, les bikers vont tenter d'intercepter. S'ils interceptent, tant mieux. C'est bon, merci, ils paieraient 1,5 million. Puisqu'ils vont payer la moitié du convoi. Donc, ils paieront 1,5 million. Du coup, moi je paye les bikers, je crois que c'est bon, t'as fait tout l'écran là, c'est bon, tu peux arrêter. Donc ils sont 5, comptez, c'est 250 000. Ça fait 1 250 000 de rentabilité. Merci, c'est bon. Ok. Cet argent, je l'exigerai. Donc les 1 250 000 que s'ils sont pétés devront rembourser. Comme d'habitude, vous me connaissez, je les exigerai en salle. Donc après, cet argent sera redistribué comme l'argent que j'ai dans la poche, comme l'argent faire de la banque quoi, en fait sera redistribué parmi toutes les équipes d'entre nous. Ça marche. Vous avez assez trimé sur les terrains où je veux plus pouvoir aller farmer ou quoi que ce soit. Mm-hmm. On a pris assez d'ampleur. Quand il y en a qui ont besoin d'argent, vous venez me voir un petit peu. Faites pas les abuser. Mais s'il y en a qui manque 20 000, 30 000, venez me voir. On peut s'arranger pour un petit crédit. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a qui doit me rendre 50 000 dollars. Il s'appelle Mamad. Comment ça? Non, pas Mamad. Sam Para, mais il est pas là. J'ai aucune death, moi. Sam, il est là? Non, il est pas là. Non, oui. Non, excuse-moi, je suis trompé. Oh. J'ai peur à chaque fois, on me dit mon nom. Non, je suis trompé, mais je suis trompé, c'est parce que j'ai envie de te gifler. Mais. Du coup. Ouais, tu le mérites. Ouais, c'est vrai. tu seras dûment battu. Comme ça, on veut gifler, je vais faire un exemple. Du coup, non, pas d'exemple. Oh. Oh. Bah là, il a pris ça plus tard. Voilà. Désolé. Bon bah c'est bon, c'est fait. Voilà, bah voilà, il fallait le tarter, bah au moins il est calé. Il a sa place là dans les poubelles. Bon, du coup, alors, je vous souhaite à tous jusque là une bonne nuit. Je vais vous demander quelque chose de spécial, c'est d'aller tous poser vos armes dans le coffre là maintenant. Okay. Tout ce qui est mini Uzi et les Glock, s'il vous plaît, posez-les. Il faut qu'on... Là en fait, ça commence à devenir un peu dur pour nous. C'est que si on commence là à perdre des armes, notre rentabilité de prochain braquage, je ne pourrais pas vous la redistribuer. Je serai obligé de racheter des armes et de vous faire des coups, en gros, qui vous rapporteront rien. Et ça, je veux pas. Je veux plus. Donc, s'il vous plaît, rangez bien toutes vos armes dans le coffre. Et vous ne prenez plus du tout de mini-Uzi, ni de Tech-9, ni de Scorpion, en dehors des opérations. Ça veut dire en dehors que je vous le dis. L'opération de demain 22h45 est une opération. On sera en mini-Uzi. Ceux qui en ont pas, ceux qui sont encore au Glock et qui désiraient passer une arme supérieure. Merci de venir me voir après cette réunion pour qu'on puisse discuter de l'arme qu'ils désirent. Merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne nuit. Ceux qui n'ont rien à me dire, essayez d'évacuer ce petit périmètre que je puisse recevoir ceux qui ont des trucs à me dire. Et puis comme ça, après, tout le monde pourra aller dormir calmement ou aller voguer à leurs occupations. Merci beaucoup les loups. Oh, allez! Quoi, pardon? C'est quand qu'on a l'argent du truc bijouterie là. L'argent de la bijouterie, tu vois. Ah oui, demain je le mets à laver. Et normalement, demain soir, ou allez. Non, je pense que demain soir, je te donne. Tu vois. Fin de soirée, demain, je te donne ta part en calme. Tu vois. Parce que moi, j'ai un truc qu'on t'a avoué, c'est que j'ai encore l'argent d'hier dans mes poches. Donc. L'argent de la banque que je t'ai donné? Ouais, hier. Tu vas Dwayne. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Dwayne, emmène-le à la banque avant que je m'énerve. Je suis arrivé, j'ai fait ma tenue, et c'est bon, j'étais professionnel quand même. Okay. J'ai rien dit, mais là, demain, il t'arrive un truc, tu l'as dans le cul, tu l'emmènes tout de suite à la banque. Oui, je sais. Et c'est pas lui qui conduit. Quoi? Si, moi, je vais tout seul, on est où là?
J'ai pas besoin de babysitter. Hein. C'est moi qui décide si t'as besoin du babysitter. C'est à moi d'y aller, ça. Je me rebelle. Allez, on se rebelle, on se casse. On s'arrache. Je vais me faire défoncer. Mais je m'en fous, il faut qu'il se passe un truc. Je me fais chier, moi, putain. On prend sa moto, on se barre, non? Ouais. Et hop, c'est parti. On va mettre le casque pour éviter les soucis. Attends. Ah. J'ai pris la moto de quelqu'un, je sais pas avec qui il allait. Où t'es où? Je me suis barré, c'est je dis rien. Radio, s'il te plaît. Je me suis barré. Vas-y. C'est où la banque là-dedans hein? Putain. Pas trouvé une banque toi. Bon, la supérieure tête, non? Là-bas, là. Je réponds pas parce que je vais me faire engueuler donc je réponds pas. Mais faut qu'il se passe quelque chose, moi je me fais chier là, j'ai envie de prendre cher, je sais pas. J'ai envie de me faire. Pardon, peut-être pas quand même, mais il faut qu'il se passe un truc quoi. Je me rebelle et tout en mode tranquille. Bah aussi, faut que mon personnage se démarque un peu des autres, faut qu'il prouve un peu sa valeur. Même s'il désobéit un peu au patron. Je sais pas, c'est pas non plus comme si je faisais des conneries en mode camion-pompier, etc. quoi. Là, je désobéis d'un ordre un peu plus professionnel, disons, tu vois ce que je veux dire. C'est pas totalement justifié, non. Ça va, c'est pas méchant non plus. J'ai pas besoin d'une babysitter en fait. C'est ce que mon personnage veut faire comprendre, il est autonome quoi. Ah tiens, il y a de l'argent juste là. Enfin, pardon. 149. Déposé. Pif, pif. 149, 000. Tac. Voilà. Et on retourne tranquillement à la ferme. Mamad, t'es là ou pas? Ah merde. Oui, bah oui, merde, c'est vrai que le pavé numérique, ça me change mes scènes. La ferme, je crois que c'est là. Hein. En vrai, c'est... ça serait un stream deck, c'est vrai. Ah, arrêtez de vous embrouiller, on vous entend en bas. On vous entend en bas. Un stream deck pour changer les scènes et tout, mais bon, c'est une blinde, quoi. Bah ça fera une barrière en moins. Mais là c'est bloqué là non? Ça passe par où? Je vais me faire défoncer ou pas? Vous croyez que je vais me faire défoncer? Se faire venir en mode tranquille. Hein. Vas-y. Faut se passer défoncer, J'espère que c'est pas déco, Daddy. J'espère que c'est pas déco. Tu vois, y'a nos hommes depuis le début. Je crois pas que tu les aies montés en grade. Ok. Sérieux? Oui, je crois pas. Ils sont pas de grade chez nous, mais oui, si tu veux. Mais tu sais, ça flatte toujours l'ego des gens. D'accord. Ils sont où? Vous êtes en radio, test radio? Oh, oui, ouais, je suis là. Demain, on aura lieu aussi une cérémonie pour certaines personnes pour la promotion au sein du cartel. Oh, ok. Certains sont assez méritants et méritent largement leur petite promotion. Ok. Soupire pas, Sambaki, tu fais partie de la liste. Mais j'ai pas besoin de drape pour m'affirmer. Quand je parle du loup. T'es énervé ce soir, hein? Non. Si je te trouve tendu du string, d'habitude, t'es plus doux, on dirait un agneau. Et là, tout de suite, on dirait le loup. Ah bon? Ouais, j'aime bien côté de loup. Oh, tant mieux. Mais pas trop, hein, deviens pas lion, genre. Très bien, après, Le lion, c'est moi. Je sais, t'inquiète. La tigresse, c'est moi. Parfait. J'avais une connerie. T'allais dire encore. Une grosse campagne sur... Non, non, Sambaké, j'avais dit une connerie sur Sambaké. Non, c'est juste... Pourquoi t'as demandé ici? Parce qu'on est là.
Vous avez tous la même coupe de cheveux, les mecs, vous déconnez quand même. C'est ça qui est bon. Mais c'est ça qui est bon. Bah c'est non, c'est eux qui les copient. Les flics, ils se disent la même chose. Hein. Bah oui, mais nous, on fait même pas de choses. De base, moi, je voulais faire combolader. On se fait même pas défoncer et on va monter en grade, les gars. Alors, on est où là? On s'est dit, là, quoi faire, ça m'a loupé. On est un putain de mafieux ou on est pas un putain de mafieux? Là, t'as quand même fait des petites mèches, quand même, non? Comme moi, genre un peu. Ah ouais, mais pas trop. Ouais, c'est des tenues Kikou, ça. Cheveux Kikou, coiffure Kikou, ouais, c'est bien. Ferme ta gueule, toi, avec ton gros nez. Et toi, là, sur le toit, quand t'as des familles, Mia, tu m'expliques. Mia? Oui. Tu vas emmener Sambaki à l'unicorne. Quoi, maintenant? Non, pas tout de suite. Tout à l'heure. Pourquoi? Tiens, je vais te passer un billet, tu le prends de pute, là. Et... Quoi? Il y a des débrouilles tout seul, non? Non, faut qu'il se vide les couilles, faut qu'il se vide les couilles. D'accord, moi, j'ai mes règles, quoi. On est où, là? D'accord, mais il y va tout seul, ça vide les couilles. J'ai pas mes règles, c'est quoi ce bordel? Vas-y, va sur ma gueule, parce que t'es puceau encore. C'est toi le puceau, ouais. Non, tu vas pas. J'ai deux fois ton âge, mais tu vas faire quoi, frère? Oh, c'est ça. T'avais même pas abondé le soir dans ton lit, et tu vas me faire croire que t'as baisé 20 fois? Oh, damn, ça te fera mal réel ici. On s'en bat les couilles après qui s'est déjà vidé les couilles ou pas, hein. Ouais, c'est clair. Après on peut le faire tout seul aussi, hein, on prend la main puis voilà, hein. Oula. Un problème de tête. Par contre attends, explique-moi. Moi? T'as pas l'impression d'avoir mis les pantalons des familles, toi? Oh, vas-y. il veut répondre, il veut que je sache. T'as pas le droit de te défendre, mec. Ouais, je frappe les femmes et tout, ah ouais, c'est honteux ça quand même. J'espère que vous t'as posé tes armes, j'espère. Ah merde, j'ai pas fait, c'est où le oh, truc? Ça part en couille. Je sais pas où c'est le truc des armes. Bon allez, amusez-vous bien. Attends, tu veux bien me montrer où c'est le truc des armes? Ouais, on va chercher ensemble. Ouais, d'accord. Ah, vas-y, je sais pas. Alors, c'est dans la clé. Donc tu les as pas posés non plus quoi, en gros, super. Non, non. Ouais, de ouf. Mais ah, moi, généralement, je les pose dans mon appart, mais... Ah d'accord. Comme j'ai l'appart en ville, ça me permet d'avoir un pied à terre ici et un pied à terre en ville. Ok. Wow. Ça fait du bien quand dans la maison il y a de la vie comme ça, où ça court, ça marche, ça y est du monde, c'est cool, j'aime bien moi. Ouais, oh, ouais, nous, c'est bien d'ailleurs, Dwayne, tu nettoies un petit peu la maison. Bien vu. Ouais, bien sûr, c'est Calvin l'adopté qui doit faire ça. Bah, tu feras avec lui. C'est bon, j'ai plus d'armes. Ok. Ah, la liste, elle fait plaisir, la liste d'armes. Attendez, je vais m'écarter, je vais pas prendre une droite. Non, je vais pas prendre une droite. Bon les gars, je vous dis à demain, moi je vais me coucher. Ok, bonne nuit. Si vous bougez en ville, allez vous changer, soyez pas bêtes. Ok ouais, grave. Pas de soucis. Tiens. Bonne soirée. Tiens. C'est bon, tout le monde se déco là. T'es là, Impact? On va faire tes tests là. Je vais me foutre dans la grange à côté là-bas. Là. Je vais me masquer avant de sortir. Dis-moi que t'es là, Impact. Là. Je te paye pas à rien faire. Il est parti se coucher. Bah dans la chambre. Ah ok. You are là, très bien. Je me fous dans un coin. Encore faut-il que j'en trouve un. Et on va faire tes tests. Bon. Alors, attends, parce que j'ai des notifications. Bonsoir. Promo club. Ouais, j'aime pas le jeu. Ça, c'est quoi ça? Ok. Hop. Alors, question des rôles. Paf. Vas-y, Jules. T'as tes trucs là. Vas-y, là, t'as tes droits là. Tripote le truc, t'as tes machins là, c'est bon. Mais ouais, mais reste en direct sur Discord, c'est mieux. On est 5 viewers au moment où tout s'arrête, quoi. C'est pas possible. Au pire, on va sur mon Discord là pour faire les 2-3 réglages. Là. Viens, on va sur mon Discord. Le temps de te faire tout ça. Là. J'ai plus d'armes, c'est la dèche.
Bienvenue à tous, à ceux qui rejoignent. Vous arrivez quasiment à la fin, les gars, je suis désolé. L'RP va se terminer. Bon, alors qu'est-ce que tu peux faire là? Ah, retuer en évaluation. Mais quoi? Mais je suis en évaluation! Alors que c'est fini là, il fallait être là tout à l'heure. Ah, bonsoir monsieur Wally là, c'est pas possible, l'RP c'est terminé. Revenir demain. C'est honteux. Vous avez l'image là, c'est bon, mais. Quoi? Je parle avec mon modérateur sur Discord. Ça va bien et toi, Wally? C'est pas toi qui dis bonjour à tout le monde sur Discord là? Je crois que c'est toi. Hein. Attends. Ouais, si c'est toi. Je dis bonjour aussi. Je dis bonjour à tous les streamers que t'as mentionné et tout. Ouais. Je vais commencer à se calmer, j'ai rien fait. Bon vas-y, fais tes trucs là, test. D'accord, bah moi je remarque rien. Hein. Bah ça va, depuis tout à l'heure. Genre, en gros, t'as... Tu ramènes ton cul ici, ça endort tout de suite. Wow. On va couper la radio. Sinon je te tire sur la gueule. Je te traque comme un chien. Wow. Ah, bah, là, tu fais demi-tour et tu viens juste... Attends, t'as dit quoi, Impact? J'ai mon chat qui s'est perdu. Ah bon? Et du coup, t'as pas suivi tout le RP alors, Alvaro, là? Ah ouais. Ok. Quoi? Comment ça? Quand tu vas te calmer avec tes. C'est quoi? Ouais, je t'entends bugger par contre, mec. Non, j'ai une interview à faire. Ah, du coup, t'as tout raté. Mais c'est pas grave, il y aura la rediff. Et tu me remets mon titre là. Fais pas des conneries comme ça, on est où là? Oui, on peut aller sur Valorant en pire pour tester. Mais change le titre là, fais pas un truc comme ça là. Impact. Tu feras gaffe, ton jeu affiché. Évaluant. Bah oui, mais c'est mon modérateur qui fait des tests. Non, t'inquiète. Remets un titre correct pour Valorant, on va y aller après. Que t'as marqué, pas comme ça, t'as mal, je te coupe un doigt, tu cries pas, et tu marques ce que t'as. Je vais aller switcher sur Valorant, mets un titre qui me met en valeur, là, fais pas ça. Allez, je file, des bisous, on passera demain. Ok, pas de soucis, pas de soucis. Bonne soirée à toi, Wally. Je sais même pas si c'est ça ton pseudo, si c'est ça. Genre, ils arrivent en mode, ouais, vas-y, on va t'évaluer, what the fuck. Je suis pas prêt. Mais je t'expliquerai après, t'inquiète. Chill sur Valorant. Non, tu m'es pas venu à regarder. Les gens ils viennent s'ils veulent. Chill sur Valorant, ouais, c'est bien. Mais ouais, du coup, t'as changé le. Ouais, ok, le jeu. Ok, bah c'est bon, je peux switcher alors. Tac, on change de scène. Bim, on se déconnecte. Tac. Ouais, tu viens avec moi sur Valorant là? Ok. Et genre, c'est quoi cette histoire de pub là que tu me disais? Bah, essaye, vas-y. Ah, d'accord. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. On a fait du GTA RP, mais là, je vais switcher sur Valorant. Je referai du GTA RP demain. C'était un peu plus tôt d'ailleurs dans l'après-midi. Ouais, c'est vrai, je vais activer Discord. Ouais, ça va, de toute façon, ils ont pas besoin d'écouter un noob comme toi en train de crier.
Tiens, vas-y, c'est bon, je t'écoute. Vas-y, parle, vas-y, parle. C'est bon, tu parles. Parfait. Ouais. Bon. Faut que je t'invite là, t'es où là? T'es même pas là en plus. Modération. Gestionnaire de stream. T'es urgent, tu rejoins pas? Oh, t'as mis cette chaîne est destinée à un public adulte? Ben, pour éviter les insultes en RP par exemple, les insultes c'est pas fait pour les enfants. Parce que Valorant, genre c'est un jeu coloré, il y a des enfants qui peuvent regarder quoi. Et genre des fois quand on dit ta grand-mère ou des trucs comme ça, tu vois, bon. voilà. Il y a que Gonza, tu as pour dire ta grand-mère. Ouais, c'est moi qui l'ai dit aussi des fois. Donc... Je t'ai invité à la rejoindre. Dépêche-toi là. Ben quoi, elle est là en plus! Elle stream stalk là! Je dois dire qu'est-ce que tu fais là! Tu nous rejoins après sur Valorant ou pas, Gonza? Quand on parle du loup, je suis mort. Oui, j'ai entendu. Vas-y, accepte l'invitation là! Tu fais quoi? Attends. C'est pas... Je vois pas, ouais, ton invitation, pas grave, là. Mais je t'ai invité! Voilà! Comment ça? Oh, c'est du combat à mort là. Ouais. Mais du coup, ouais, je suis en train de télécharger Modern Warfare là. Ouais. Donc faut que tu leur fasses aussi toi. Mais c'est, tu sais, le problème c'est que c'est long et c'est que parti, quand j'ai uploadé mes vidéos sur YouTube, j'étais obligé de tout mettre en pause, tu vois. Et quand je live, je peux pas le mettre non plus. Mais pour le faire tourner, faut un PC de NASA, hein. Vraiment. Non. C'est hyper dur. Ah, je te jure que si. Moi je fais tourner Warzone, y a pas eu de soucis. On verra, de toute façon on testera, c'est fait pour. Hein. Wow, oui. Je suis déjà en jeu et tout. Moi j'ai MP5 en obsidienne et puis tout. Hein. Ah ouais, bien sûr. Mort. Tu me crois pas? Oui, si, mais t'inquiète, pas de soucis. Non, je suis perdu dans le jeu, je vais te prendre un peu. Wow. Je vise mal. Je suis pas dedans. Headshot, mort. C'est encore l'échauffement là, sûrement. Ouais. Oui, c'est l'échauffement. Y'a un mec là. Regarde-le. Headshot mort. C'est quoi ton perso? Ouais. Je sais pas. Reyna. Ok, merde, c'est mort. Ah oui, c'est bon, on va acheter des armes. Ça fait backstab. Il est fort lui. Je crois que c'est lui qui va me carry là, toute la soirée là. Sage là. Oh, oh mais non, on prend sur le côté. Il est mort. Oh mais il est trop chaud lui, il est trop chaud. Wow. Et j'ai vu ton... Tout à l'heure, j'ai checké ton stream quand t'étais sur Valorant. Et genre, ton réticule, mec, c'est vraiment horrible. Je sais pas comment tu fais. Le réticule, c'est celui de par défaut. Vu que j'ai changé de PC et que j'ai réinstallé Valorant, ben... Le réticule, il s'est reset, quoi. Faut vraiment le changer. Oh, bah écoute... Je te donne rien, t'inquiète. Ouais, c'est ça, ouais. Tu me donnes rien du tout. J'ai un réticule de pro, moi. Non, c'est ça. Oh mais non. Non mais avant j'avais un bon réticule mais ça a été reset du coup. C'est une soupe. Je peux pas un bon réticule mais je fais pas de kill. Donc. Bah, super. Réticule de pro ça sert à rien en fait. C'est pas joué. Campeur, on me prend. Y'a quelqu'un ici, t'es mort. Quelqu'un là-haut. Mort. J'ai tiré dans les jambes comme un noob. Ah mais j'ai jette moi. Il est où? T'es mort. Oh. Qui c'est qui est là? Y'a personne? Quelqu'un qui arrive? On voit là. Ils sont où? Wow, y'a deux personnes, y'a deux personnes.
Merde, je recharge, c'est pas le bon moment, Ah! Attends, on va en novice, enfin en machin. Oh, la flemme. Je suis un bonhomme de neige, moi, après. Oh, mais je tire à côté. Je vise mal. C'est quoi, bonhomme de neige? Bah, tu verras, c'est le nouveau mode qu'ils ont mis. Morte. Mais il me fait chier avec son snipe, lui. Le mec, il est au corps à corps avec un snipe. On est où, là? Ouais, il est fort, c'est avec son snipe. Mais tu... Fort, mon. Non, c'est pas le moment. Ah, c'est moi qui t'ai eu. Ouais, d'accord. Super. Headshot mort. Non. Mais j'étais en train de duel avec un mec, on me tue. Ennemi mort. Je me planque. Hop, je suis là. Tu joues quelle arme, toi? Vandal ou fantôme? Vandal. Ouais. Lui, il campe. Il est mort. Ouah, on a mis tête directe. Ma chérie, tu as contre cette pince. Mais on me prend par derrière. Comme top. Un homme, on va pas te prendre par devant. Ouais, ah, voilà ouais, pourquoi t'as... le stream est interdit aux mineurs. Bah voilà, c'est à cause de toi en fait. Il va mettre le balle. Pique, pique pas. Je suis la merde. On voit le mec kill. Justement. Je suis mal. Je suis pas chaud là, je suis pas dans le jeu là. Ça m'a endormi le RP en vrai. Attends toute la soirée là, de côté de moto. Ouais. Pique. T'es mort. Oh non. Ah, j'aurais dû faire du tir à l'avance. Vas-y, prends-toi. T'es mort. Qui est là? Toi, t'es mort. Oh, t'es mort. Ah, je me fais backstab. Non. Oh, il m'a fait peur. reviens, pique. Mon snipe est trop fou. Ouais, ton snipe, ouais, super. Non. Faut toujours qu'il y en ait un là pour me. Ah. J'ai soif. C'est pas le moment, je sais, mais j'ai soif. Du coup, je bois. Oups. C'est que ça tient. La Vandale, t'as la fantôme. N'importe quoi, c'est la Vandale. C'est ce que je joue quand même. Là, t'as la K47 là. Non. Ah oui, si t'as la Vandale. Ça, mais la Vandale, bien. C'est la K. Non. Clairement pas. C'est une AK mais du futur quoi. Ouais. C'est pas une AK quoi, mec. Une AK, il y a plus de recul. C'est pas la même chose quoi. Ouais, c'est fini. Oh non, l'autre il a atteint les 40. Ah, j'ai pas un trop mauvais score encore, ça va. Je suis 5ème. Première partie, et tu sais que tout à l'heure, j'ai fait une première partie, j'ai fini premier en 40 points. J'étais là. Ouais, t'es là. C'est impressionnant, j'ai fait deux parties en 40 points, j'ai gagné tout. T'es content? Ouais. Vas-y, je relance. Attends, je vais te faire. On va jouer à bout de neige, là, tu vas voir ce que c'est. C'est full no brain. Ouais. Ça me fait trop rire, j'adore. C'est full no brain.
En vrai, j'ai vu qu'il y avait un mec qui faisait des lives sur Among Us. Là. Je vais l'acheter, j'aime bien. Faudrait que je trouve des gens avec qui jouer là. J'aimerais bien tester Among Us. Ouais, Among Us. Ça me fait rire. Tu l'as payé? Non, je l'ai pas acheté, mais je vais l'acheter pour jouer avec des autres streamers quoi. Non, l'achète pas, ça sert à rien. Si, 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 si. C'est de la légalité, moi, on est où là? Ouais, c'est vrai. On en stream là quand même. Non, tu m'as pris mon perso. Mais c'est le mien de base. Et puis on s'en fout des persos, ils ont pas leur pouvoir là-dedans. Ouais, mais quand même. Mais Reina, vous venez après vers nous en vocal. Ah oui, merde, c'est vrai. Mais on joue à Valorant là. Bah. Ouais. Alors retourner avec tout le monde. Ah bah non, mais je vais les écouter, du coup, bah non, je peux pas. Pourquoi tu vas y aller? Parce que Second Attack, il l'a demandé dans le chat. Ouais, si je vais avec, avec les autres, faut que je mute Discord, sinon ça va être le bordel. Genre les boules de neige, elles tuent, tu vas me dire. Bah oui. Ça one shot. Hein. Non, ça one shot. Mais tu vas comprendre, tu vas comprendre. T'es en game là déjà? Bah ça charge. Bon, mais d'accord. Avec que t'étais dedans, j'allais dire. Oh, putain. Ouais, mais le mode de jeu il est un peu moins chargé, mais. C'est normal. À mon avis, on peut faire des sales trucs là-dessus. Ouais, ça va. Putain, j'ai encore mon cache map là. Dis-le moi là, t'es modérateur ou quoi? Je suis pas sur ton stream là, sinon je bug sur la droite. T'aurais pu me le dire. Oh, mais c'est un pistolet. Oh non. Et genre y a pas de défuse. Wow, on va les mouquer. Oh, je suis mort. Super. Oh non. Oh, ça calme un coup de boulette. Mais non, moi je l'ai kill, c'est une honte. Merde, ça joue à nous. Oh non, ça fait longtemps que j'en ai pas fait de ce mode de jeu là. Oh, ça vient d'où ça? Le feu s'est éteint. Il était fichu. Il est mort de. Mais non, non. Oh, je fais fou de merde. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Je m'en suis occupé. À terre. Trop bien. Oh, je l'ai eu. Une backstab ou quoi? Enterré. À mort. J'ai un problème, je suis trop fort à ce jeu. Merci. Aïe, karma. Oh quoi? Quoi? C'est pas possible. Tire dessus lui. Attends. Il y a des fois. Hein. T'as des bonus des fois. On tire là? Ah oui.
Oh la vache. Je crois que j'ai fait qu'un kill. Ah bon, on s'est entretués. Allez hop, ça dégage les noobs. Ah. Mais ils sont deux sur moi, ils sont deux sur moi. Dégage. Le feu s'est éteint. Pathétique. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hop là. C'est toi. Oh la triple kill! La triple kill! Tiens, ça te presse mode de jeu ou pas alors? Pas de triple kill! Je crois que je vais arrêter là, moi après je commence à fatiguer. Le feu s'est éteint. Il est où? J'ai fait 5 kills d'affilée là. Oula! Le mec est chaud là quand même. Facile. L'ennemi à terre. Non, on vole l'équilibre. Ah non, c'est fini. Ce dernier. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Tu veux pas Red Dead? Si, si, je vais Red Dead, mais je vais couper le live du coup. Je fais un petit truc tranquille. Red Dead, c'est bien avant d'aller se coucher. Surtout que je travaille pas du coup demain. Donc, Ah ouais? Ouais. Mais je suis en vacances là. Vacances. Après 24, 25, 26 et 27, je serai pas là. Mais je vais quand même stream. Ce sera sûrement les après-midi quoi. Que je verrai. Okay, je verrai. Ok, je vais le voir maintenant. Oui, je vais aller sur. Je vais couper le stream là, je vais faire l'intro et puis voilà. Ça coupe bien sur le live. Bah, c'est pas une intro du coup, c'est la fin. Mais la outro du coup là. Vas-y, je te laisse. À tout à l'heure. C'est pas mute. Moi je tue ça. Hop, voilà. Alors là c'est. Hop. Bonsoir. Oula. Ouais, c'est ça. Bon. J'espère que j'ai pas été jugé quand même trop sévèrement. Hein. Bon, on verra. Bonne soirée à tous. Merci d'être resté jusqu'à la fin ou d'avoir rejoint en cours de route, peu importe. Je restreamerai demain, dans l'après-midi, sûrement d'autres jeux divers et variés. On verra. Le soir, il y aura sûrement du RP comme là. Et puis, on verra ce qu'on fera en soirée. Et puis voilà. Bonne soirée à tous. Merci d'être là. Au revoir. Écoutez votre musique sans pub. YouTube Music. Voilà quoi, j'étais sur le cas. Ça y est, il s'est bédé les couilles, c'est quoi? Oui.